Ouverture du micro, bonsoir tout le monde. Et ouverture du micro de Béni bientôt, incessamment hein, sous peu. Paf, ça y est Béni, tu as la voix, la parole. Salut à tous. <laughs> bon non, tu vois, c'est trop zoomé là. Il faut que je redécale un petit peu cette capture. La voir quand même. Hop là. Voilà. Ah, je peux pas faire beaucoup mieux en vrai en fait. Hein. Comme ça. Bien comme ça, comme ça. Ah mais là il voyait pas les lettres en bas sinon. Non mais réduit moi c'est bon Enfin moi les coordonnées je les connais mais réduit au moins... Non mais t'es hein. Toi Tu les connais, moi je les connais. Peut-être qu'il faudra réduire un peu l'espace c'est en bas là... Mais pas maintenant quoi, tu à terme peut-être, mais bon. Là Là on voit les lettres. Hein. Entre le dernier follow, tu sais et le. Ouais le... Non, mais je vois, il faut que je reprenne, mais c'est juste qu'après c'est une image figée derrière, donc faut que je la reprenne, faut que je la redaille en fait. Mais je, je voilà. sais comment je vais faire, mais il faut que je le fasse hors stream et là j'ai pas eu le temps mais je, je vais la retailler, avoir un carré en fait. Ça sera plus un rectangle, ce sera un carré, on verra que les l'échec. Ça marche. Ça va le faire, t'inquiète. Je, je, je vois déjà comment, comment je vais faire, je me débrouille. me débrouille. Et après sinon si ça gêne, on passera en, en full screen, hein. full screen, je mets ma cam oh, sur le côté Jimmy. et ça marche. Moi j'ai mis sur mon grand écran, donc ça devrait aller là. Ça marche, ça marche. Bon, euh, hop, 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 jouer en ligne. Euh, oui, autoriser euh, les notifications, euh, laisse-moi tranquille. Euh, 30 minutes, c'est parti. Cherchons quelqu'un. Ouh, 1024, incroyable, je joue les Noirs. Donc on joue contre Gouramji Gelava. Gouramji Gelava, dis donc, dur à prononcer, hein. C'est quel... Euh... Géorgie. Ils sont fort les ouais. géorgiens aux échecs il y, en a, il y en a un fort, ouais. <laughs> Oula, c'est un, un joueur de ça, de B4. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle ou outan C'est rigolo, ça, on n'a jamais eu ça. Ouais, c'est bah, c'est l'ouverture ouran outan Je peux répondre en pion B6 euh, Je peux faire. Enfin, pion B6, non Non, je peux faire mon, pion, mon, mon cavalier C6. Bah, le problème, c'est que si ah tu non, fais il calais, va, pousser, il va pousser, il va pousser, il va pousser. Voilà, c'est ça, tu risques de te faire charger direct, donc euh, c'est peut-être pas une très bonne idée. Alors du coup, est-ce qu'on peut ouvrir euh... les pions, pions D d5 ou e5 Ouais, je pense que des... ouais, les, deux, les deux sont possibles là, de ce que tu as proposé. En fait, il faut que tu fais, fais, fais comme tu le sens. Après, tu vois le. En il fait, faut comprendre l'idée de son développement, l'idée de l'ouverture. Bon, déjà, c'est une ouverture qui est très peu jouée. B4. Hein. Je sais pas ah, s'il il a joué. Je pas trop parce il il pourquoi, parce qu'après le cavalier, euh, qu'est-ce que ça fait ça, il, bon, Le cavalier, il, il, ça lui apporte rien. Il était quand même, il a la possibilité de sortir. Donc la seule chose que ça apporte, c'est l'ouverture du fou direct. L'idée, c'est que ça permet de, de, ah, de ah. qui se passe Il est parti Il a pu partir, ouais. ou alors c'est parce que t'as mis trop de temps à répondre et du coup la partie est interrompue. Des fois, ça peut arriver. Merci. Je sais pas ouais. si c'est parce qu'il est parti ouais parce que. Mais c'est bizarre parce que normalement, ouais, parce que je crois que le, 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 le... ça peut ça... C'est quoi ce nom de. Ouais, putain. Ce pseudo magnifique. Bah merde, c'est dommage, c'était intéressant. Là. Ouais, ouais, bah peut-être parce que t'as mis trop de temps à répondre le premier coup, peut-être. Oh là... C'est bizarre, ça me semblait ouais. pas que normalement. Euh, ouais, ou alors Allez. il n'y a plus raison. Cavalier F3. Lui. Tant pis, tant pis, ouais. tant oh, Ah, C'est pas grave, mais ça m'intéressait, c'est une ouverture qu'on n'avait pas vue. Ah bah t'es. En fait, tu, il, tu il la rencontreras pas souvent, mais. Euh. Pion Je peux, je peux, pion, euh, pion, euh, pion G3. Bon, là, tu peux faire tout ce que tu veux, je pense, donc. Euh... Pion G3. Je l'ouvre tranquillement. Ouais. De toute façon, je dis quasiment sur toutes les réponses adverses, tu peux faire ce que tu, ce que tu veux faire, le et, et tout. Il n'y a, ouais. a, a aucune autre variante qui permet d'éviter ça. Il a eu peur de tourner l'eau, peut-être, c'est ça. Tic-tac, tic-tac. La petite émote, tic-tac. Eh, j'ai pas... Oui, j'avais dit que je ferais un Meeple euh, échec. Ah, il a ouvert. Euh, il a ouvert, il a sorti le fou, lui, directement. Okay. Ouais, bah, il, fait, il fait comme toi. Bah, si je il a pas, des... En fait, la... il fait la même chose que toi en symétrie, si ce n'est qu'il a pas sorti encore son cavalier. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Euh... J'hésite à faire pion de D4. Tu peux intervertir des coups dans l'ouverture, donc ouais, ça peut être une bonne idée, parce que là, en ayant joué son fou d'abord avant ouais. le cavalier, il peut menacer de pousser E5. Moi, j'aurais fait pion de D4. Et D4, ça contrôle 5, donc c'est pas mal, ouais. Je suis assez d'accord. Enfin, fait, je suis pas un expert de cette variante là, mais euh, bon, ça me, paraît pas, ça me paraît correct ça pour l'instant. il faut que je me repasse en mode analyse là, c'est un peu ça le, le plus dur. Euh, ok, donc il a poussé plus loin. Ouais, donc là il a... Oh, bon, bah, déjà, là, il... Ah oui non. Pour moi, il a fait, alors c'est pas une faute ce qu'il a fait, mais par contre, c'est une grosse perte de temps. Donc là, je dirais que tu n'as pas 36 coups euh, dans cette position. Pour moi, t'en as deux, deux corrects. Bon, tu m'as toujours dit, on analyse la prise. Le, aucun intérêt. Je, je mange fou, je perds derrière fou pour cavalier. Ça dépend. J'ai juste il mis son cavalier dans un coin. En fait, faut pas que t'analyses comme ça. C'est que lui, il a joué un fianchetto et tu lui élimines son fou de son fianchetto. Et ça, c'est plutôt une bonne chose en règle générale. Ah, c'est vrai. Toi, tu penses que là, le fou, le fou prend fou et derrière, il sort son cavalier, son cavalier sur le côté. Tu penses que c'est bien ben disons qu'il y a toujours des contreparties aux échecs, que tu, la contrepartie, en fait, l'avantage que tu vas avoir, c'est que tu élimines son fou de case noire, alors que lui, il a mis tous ses pions sur case blanche. Du coup, c'est cases où il peut te déplacer ses fous, c'est sur case noire. Donc, pour l'instant, tout cas, autour du roi. Donc, tu lui élimines un défenseur du roi aussi. La côte, donc, ça, c'est la partie positive. La contrepartie, c'est que forcément, ben, ça va lui développer le cavalier. Est-ce que le cavalier va être bien placé en h6 Bon, ben, ça, c'est à toi d'en juger. Ah, non. Sur... En bord, en bord sans plus le cavalier est au bord, moins c'est bon. Il va, il va, re... le... va contrôler que deux cases derrière. C'est donc... ça, ce qu'il faut analyser, c'est est-ce que toi l'échange de fou est bon euh, Moi je considère, enfin avec les arguments que je t'ai donnés je considère que l'échange est pas mal. C'est pas non plus, ça n'a pas gagné la partie, mais en tout cas c'est pas mal puisque tu... tu lui élimines son foot de fien qui est au... côté, donc, côté roi. Et en plus, s'il a... décide de faire petit rock, ça veut dire qu'il a un défenseur en moins, il a un cavalier qui n'est pas très bien placé qui peut être attaqué, tu peux très bien l'attaquer après le coup suivant avec ta dame par exemple. Ouais. Donc, donc en tout cas, l'échange n'est pas déconnant. Après, si tu ne veux pas échanger, la seule chose qu'il faut comprendre dans cette position, c'est que si tu n'échanges pas toi et que tu veux pas échanger, ça veut dire que soit tu acceptes que lui prenne ton fou au C1, au coup d'après... Oh, mais dis donc, ils sont incroyables, les gens. Ouais, alors c'est ouais là, bah, là c'est parce que le mec a arrêté ou ouais. bon, là, tu as gagné la partie, par contre c'est ça la différence c'est ah, dommage quand même quand même, on est ouais, ouais, parti 30 minutes on se... bien qu'on va réfléchir un peu ouais, bah, c'est pas grave ils te donnent des points gratos faut les prendre bon, ça m'arrive souvent ça aussi hein, hein. c'est vrai bah, en... enfin moi en, 3... en, 5... en 5 ou 3 minutes ça arrive plus rarement mais, mais euh... je par vois contre, rapidement là, tu... du coup hein, hein, sur l'ouverture euh... ah, ouais. quand, euh, quand j'ai les blancs j'ai je... Je... envie de démarrer souvent comme ça on sache qu'on voit pas ton. Enfin, c'est pas grave, mais on voit pas ton élo en fait, du coup, maintenant. Vu que as... Malheureusement, t'as ouais, as gros. C'est une... par... 960, je vous le donnerai si jamais, mais c'est ça, pour... Ça, bon, bon, pour, je... pour gagner un peu. Je le signale juste. Euh, donc, ça, ça, ça. ça euh, bon, je... Sur ça, il ouvre quoi Il ouvre ça. Peut-être je pousserai Pion D4, là. Voilà. Ouais, tu peux tout de suite, euh, tout de suite bloquer. Je réponds, et puis c'est protégé par le cavalier, ça me plaît bien. Et la dame aussi, il protège, donc ça peut l'empêcher de, de pousser lui D4, en fait ça peut être pas mal. Ouais ça c'était à peu près sûr, hein on est d'accord. Ouais alors là il t'a fait une réponse qui est un peu embêtante. Enfin qui peut être embêtante. Bah, alors, il, veut... Pas, il veut pas... Quoi, il veut chasser le cavalier? En fait l'idée c'est que... En fait, que si tu fais fianchetto, donc si tu pousses G3, ce qui est ce qui est faisable, hein c'est juste que toi, il oui. faut que tu acceptes qu'éventuellement il va prendre le cavalier avec le fou, ce qui va faire que tu auras un... Un pion oui. doublé, bon, qui n'est pas gênant parce que ça te ferait une grosse Après, sorte il y, y, y a cavalier e, E5, non, qui se joue là Alors ça, c'est, voilà, ça, c'était une... Des... E5 pour la fameuse prise en boomerang, là Mam bah, ça, ça peut permettre de chasser le fou, euh, ça peut être une possibilité, ça peut te permettre de faire ton fier keto sans perdre ton cavalier, donc euh, c'est, voilà, bah, c'est bien que tu aies trouvé l'idée tout seul, donc ouais, bah, moi, ça me paraît être intéressant. Ça lui pose une question, ça l'attaque son fou. C'est ça, Bon moi, oui. il va pouvoir le défendre mais éventuellement toi tu pourras l'éliminer après s'il le défend avec le cavalier par exemple tu peux faire le choix de l'éliminer ou de continuer ton développement parce qu'en vrai. S'il dépend euh... ici quoi, cavalier euh, F6. Ouais il si le défend tu es et cavalier F6. Mais t'es pas obligé, hein. c est, c est... tu peux très bien continuer ton développement, ton cavalier est, pas... est très très bien placé mmh, au centre. Mmh. Cavalier il est au centre. Bon après euh, c'est euh... s'il si pousse, s'il si pousse pion, non, il perd le, il perd le fou. Ce serait non, très il pas Pour moi, il y a deux possibilités, c'est soit il fait fou f5, soit fou H... fou, fou h5. Pour moi c'est les deux possibilités parce qu'il va pas donner... Enfin ça va être qu'il donne son coup F5. Donc là euh... c'est intéressant parce que du coup ton cavalier est bien placé. Le seul, Alors maintenant il faut que tu analyses qu'est-ce qui se passe si tu... Est-ce que tu peux pousser G3 ou pas quoi. C'est pas... pas dingue hein, dans l'idée les... G3 là. Bah, c'est pas dingue parce que le problème c'est qu'il peut jouer le... le... Il peut remettre le fou en E4 et attaquer ta tour. Donc là, t'es typiquement dans le genre de cas en fait, où tu vas peut-être pas pouvoir faire ton pique et tout. Ouais, 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 je vois ça. Pas gênant, on va peut-être faire que tu changes ton fusil d'épaule. Donc en jouant autre chose. Il euh, y a Fou euh, C4, là de prime abord, pour venir renforcer le cavalier et développer le Fou. F4, ouais. Ah, F4, pardon. Enfin, j'avais coloré la bonne case. Ouais, <laughs> non, pas non, mais... la bonne. Là de prime abord, c'est le premier coup que, que je jouerai. Ça me paraît intéressant parce que ça te permettrait ensuite de jouer E3 et ensuite de développer ton foot case blanche. Ouais. De manière classique, quoi. C'est-à-dire sans faire le Fienketo. Et tu développes une pièce avec son nom. Ouais, c'était ça. ça. Bah là, maintenant, j'essaye tu... de... de mettre ça en application. Ouais, mais c'est très bien. Enfin, développer si tu... une pièce et renforcer le contrôle. Te... Quand tu peux développer une pièce euh, dans tous les cas dans l'ouverture, ça peut pas être un mauvais choix. Si ce n'est de le développer sur une case qui perd la pièce. Mais en dehors oh de ben... ça. Euh... Là en vrai, on peut toujours faire le pion E3, parce que du coup, là, il menace un pion qui, était... qui est plus protégé. Enfin, il est protégé avec la dame uniquement. Donc... Peux... Là, as deux choix, c'est soit tu. Soit tu prends son ah, camion. J'avais et... pas vu, j'avais pas eu, vu... Attends, j'avais pas vu la prise. Soit tu. C'est pas obligatoire, hein, mais soit tu prends, soit tu. Si jamais lui il prend, de toute façon, tu pourras reprendre avec le fou, donc il a pas de problème. Donc, tu peux aussi continuer à développer et laisser la position en, en l'état. Il n'y a pas vraiment de risque euh, de ton côté, c'est toi qui choisis après. Euh, si veux, je, si je, je pousse quoi. pion ici, admettons qu'il prenne, moi mon fou se retrouve ici. Qu'est-ce qu'il va faire après Potentiellement. Euh... Qu'est-ce que je ferais après d'intéressant ouais, J'ai envie de dire, c'est pas forcément foufou comme position pour lui non plus. Hein. Non, je pense que tu serais quand même mieux que lui, parce que tu aurais, aurais fini ton développement quasiment. Donc, euh, lui, il a... Pion E3, Pion E3, ça me paraît pas mal. Il a tout son côté roi qui n'est pas développé, hein. donc lui il a plus intérêt déjà à faire grand roc. L'avantage de cette position, c'est que si jamais il si jamais il fait dame d 6 par exemple, hein. ce qu'il va pas faire, je pense, parce que c'est un dame peu Dame D6 ici, ok. Je pense, pense okay. qu'il va prendre ton cavalier. Je pense qu'il va prendre ton cavalier. Moi à sa place, je boufferai le cavalier et je jouerai dame D7. Je ferai Grand roc, en fait. Oh il a pris Pion. Ah il a posé Pion. J'aime bien quand, on, a, quand on, on imagine des choses et c'est pas du tout ça. Ouais, mais c'est intéressant aussi. Donc là, t'as as, as plusieurs façons de voir bon, les choses. Louer le cavalier pour le fun, en sortant mon... Euh, c'est pas que pour le fun, hein, ça menace des choses. Hein. Ouais, non, mais là, c'est le coup que je vois. Premier, je te donne toujours le premier coup que je, que je vois, c'est ça. Ouais, je pense que c'est un bon coup parce qu'en vrai, euh, ça Ou menace... b 5 euh, Ça menace... En fait, si tu, si tu analyses bien, si tu calcules bien, ça, ça menace une fourchette avec entre le roi et la tour. Hum, je, la vois, de... je la vois pas encore mais... Oh, bah il faut que tu prennes en compte que tu fais d'abord la prise avec le cavalier. Ah oui d'abord la prise avec le cavalier, il mange avec le pion et je ramène le, le fou et là euh, fourchette ouais euh, ouais. Ouais, on part sur ça? Bah ça me paraît intéressant, après c'est pas il va pouvoir défendre facilement hein, mais. Oui, euh, oui, mais non, sûr. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas mal parce qu'en fait ça crée de... ça développe une pièce et ça crée un problème. Donc là on a libéré le côté pour le petit rock si jamais, donc ça c'est pas mal. Voilà, et surtout ça crée un problème. Ah, C'est-à-dire, ouais, là, bah, là ça, déjà... ouais. Donc là, il y a déjà un problème dans sa position. Mais parce que s'il veut faire grand rock, il a enlevé un pion, c'est ça Non, c'est que. T... Bah, tu... tu te rappelles le piège que t'as calculé Oui. Bah, le piège existe toujours. Alors, faut calculer quand même, parce que vu qu'il t'attaque le fou. Oui, c'est ça, c'est que je veux dire. Là, je... là il m'attaque le fou quand même, je peux pas me permettre de faire. Euh... De faire cavalier-prend-cavalier. Cavalier. Si je fais cavalier-prend-cavalier, cavalier, lui il fait pion prend pion attends, prend tends, fou. Tends, tends. Non, t'es allé trop loin déjà. Ah voilà. Non mais t'es allé trop loin déjà dans ton... Dans ton, dans ton... Après cavalier-prend-cavalier, cavalier, il se passe quoi déjà Bon, c'est ça qu'il faut calculer déjà. Cavalier-prend-cavalier. Cavalier-prend-cavalier, ça fait quoi en fait Ça mange un cavalier, mais ça fait quoi d'autre Ça menace sa dame. Voilà, donc déjà il peut pas manger ton fou. Parce que si tu s'il mange ton fou, tu manges sa dame. Donc après, ça veut dire qu'il est obligé de prendre avec le pion Ouais, soit il a deux choix, c'est soit il reprend le cavalier, soit il doit bouger sa dame. Il a que ces deux cas de figure possibles. Sinon il perd sa dame. Donc s'il mange ton cavalier, on tombe dans ce qu'on a vu juste avant. C'est bon, et on prend avec fou ça et on menace, enfin, on menace tour, menace là-bas. Voilà. Donc maintenant il faut que tu analyses, c'est là où ça devient compliqué, mais il je bouge, pense que tu peux la dame. Est-ce qu'il peut bouger la dame en fait Est-ce qu'il a une case saine pour la dame bon euh, Si on est ici avec le cavalier, il peut pas venir là. Il peut pas venir à la... enfin, il pourrait venir là, mais il peut pas venir là à cause du fou. Euh, ça lui laisse euh, ça, je dirais. Euh, c C8 Ouais, il y a quand même D7 aussi. D7, c'est possible qu'il puisse y aller. Parce que le problème de D7, D7 je pense... 7, que... ouais. Alors, D7, c'est là où c'est compliqué à calculer. Alors, attends, parce qu'il qu y a le fou, et parce qu'il y a le cavalier entre oh. quoi. C'est que je suis venu manger, donc il pourrait avancer euh, dame ici. C'est un poil risqué en fait, parce que la réalité c'est que je pense, je pense que Dame D7 est jouable. Et le problème c'est qu'après, quand tu fais la découverte, en fait, le problème c'est que ton fouet, son fou, ton fouet est en l'air et est déjà attaqué. Donc tu vois, l'attaque tu calculé que c'était un peu dangereux. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il reprend ton cavalier avec le pion, pas de problème. Le problème c'est qu'il a quand même Dame D7. Alors après, euh, au dans vu la série. Est-ce qu'il jouerait une Dame D7 tu vois bah, Alors voilà, mais, mais le, le problème c'est voilà c'est là où on se heurte au, au raisonnement qu'il faut jamais avoir en fait. Dans les, aux échecs, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais raisonner en, en prenant en compte le plus mauvais coup de l'adversaire, en fait. Ouais, ouais, ouais. Parce que forcément, oui, je suis d'accord qu'à ce ouais, niveau-là, le, ga, le gars. Le coup, ça veut dire qu'il faut que je bouge mon fou, au final. Là. Bah, soit tu manges le cavalier avec le fou, ce qui va quand même te faire gagner un pion, dans l'histoire, parce qu'il n'empêche que tu vas gagner le pion avec Et le cavalier. On ben, gagne le pion. On fait, on fait fou Et prend cavalier, euh, pion prend fou, cavalier prend pion. Donc moi, je pense que rien que ça, déjà, c'est déjà, déjà une. C'est pas mal. Déjà. Après. Après, ah, voilà, c'est sûr. Euh, oui, on, il est obligé de prendre ça passe, euh, faut, je, je suis pas sûr qu'avec les prends ça fonctionnait. Je suis pas sûr. Quasi... Allez. On prend euh, cavalier. On a déjà pris 6 minutes dans la vue. Ouais, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on fait les 30 minutes. Là, tu peux pré-move déjà. Cavalier prend fou, par exemple. Parce qu'il va forcément reprendre le. Enfin, je vois pas comment, dans Et quel monde. Et derrière, va... il va ah, sûrement ouais. jouer le fameux dame des 7. Ouais, quasiment. Et donc là, tu pourras euh, tu peux commencer à réfléchir à ce que tu vas faire. Euh, dame D7, ben je repasse cavalier à sa position de base, comme ça, je réattaque la dame, non C'est ça. Ouais, je pense que c'est le meilleur truc, parce que ça va lui reposer une, une autre question encore. Quand... Et toi, ton cavalier, tu recentres ton cavalier sur une très bonne case, euh, qui menace F7 en plus. Donc. Donc, faut que tu imagines aussi que. En enfin, fait, ce qu'il faut que tu imagines, maintenant, si tu veux aller un peu plus loin pendant qu'il réfléchit, là, c'est bien, il nous laisse un peu de temps de réflexion. Ouais. C'est que quand ton cavalier est en E5, tu, tu tapes sur F7. Est-ce que tu peux pas essayer de faire. Il faut que tu envisages les menaces que tu peux faire Je tape comme F7. Quand ton cavalier est en E5, je crois. Hein. Mm -hmm. Voilà, bah, de toute façon, on va arriver vite à la situation, je pense. Je pense aussi. Euh, donc, à euh, partir. Ouais, voilà. Écoute... Donc après, ne pas le cavalier en E5. Voilà, bon, si, là, tu peux le jouer, du coup. Parce qu'on sait jamais, si jamais il bougeait pas sa dame, faut pas pre-move. En fait, le pré-move, faut toujours le faire quand c'est une prise, parce qu'une si qu prise, si jamais la prise n'est pas possible, en fait, ça te fera pas le move. Par contre, des fois, quand tu pré-moves un coup sur une case où il n'y a rien, ça peut être dangereux de prémove. Oui oui, bien sûr. Donc là maintenant voilà, là on est dans la situation que je voulais te, que je voulais te faire analyser, c'est-à-dire que là t'as ton bah, cavalier là, qui... il, bah... là il peut faire dame ici, là. Hein. Ça, ça va me poser des problèmes, hein. On est d'accord quand même. Pourquoi ça va te poser des problèmes Ça attaque Action. quoi voilà, bon, mais là déjà, tu as gagné la partie, tu vois. <laughs> Attends, t'es violent. Ah, euh, est-ce qu'il n'y a pas un petit... ici, là, qui, pose, euh, qui qui irait faire des choses vilaines, là, quand même, là Non, mais là, 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 tu m'analyses même pas ça, là, dans la position. Ah ouais bah, non, tu pas ça. Hein. Euh, ouais. Ah, mais je prends la dame. Je prends la dame, je prends la dame. Euh, tu mais tu oui. pas, Une dame en l'air, tu la manges, tu réfléchis même pas. Je Après, évidemment... L'autre idée que je voulais te donner, c'est que juste avant qu'il se fasse cette erreur-là, tu pouvais envisager de faire dame H5. Regarde-le le coup quand même. C'est intéressant dame pour que tu vois les H5. Ah, c'est pour of... l'échec, le... quoi. Oui, c'est l'échec ici. Toujours Et mais... voit... sans parler de l'échec, c'est que quand tu avais ton cavalier en E5, en fait, avant qu'il joue F6, oui. en, faisant... en faisant ce truc-là, tu tapais on sur. Ici, on... on avait la protection ici, quoi. Voilà, Donc là c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il a, il a perdu la dame mais il continue. Donc ça c'est très bien pour toi parce que ça va pouvoir te permettre d'un de, de, peu essayer d'attaquer. Donc il là maintenant. Faire des choses, hein. Ah ben, là il, il a plus de dame. Donc là tu, tu oublies le fait de devoir Et faire. Là, un... la, la dame ouais. se joue encore hein, parce que là on remenace le fou. Hein. Ouais mais je, je pense que ta, ta cible c'est pas le fou, ta cible c'est le roi adverse. Donc là je pense qu'il faut que tu sois faut que tu ailles viser le roi en fait. Donc moi je. cavalier je... ici sur déjà dans un premier temps. Je pense que non, le, ton but c'est d'aller. Ce que, ce, que, ce que tu proposes, c'est pas inintéressant. Le seul problème, c'est que c'est hyper lent. C'est-à-dire que tu vas développer ton cavalier, tu un pion, mais il va pouvoir le défendre facilement en poussant un de ses pions. Par contre, tu peux être agré... un peu plus agressif que ça en menaçant peut-être un échec au roi. En faisant un coup qui va après menacer un échec au roi. Qui va être un peu embêtant pour lui. Je cherche. Mais il est sur case blanche, donc mon fou ne lui fera rien. On oui, est d'accord C'est pas, pas avec le fou que je pensais. Et après, euh, madame. En fait l'idée c'est que en fait, c'est pas évident parce que là, là si on a basculé dans un, dans, une partie, dans un milieu de partie en fait qui, qui n'est plus comme d'habitude, c'est-à-dire que là, tu cherches plus à mettre ton roi en sécurité parce que ton roi va pas être attaqué, de toute façon, c'est toi qui vas attaquer. Donc toi maintenant le but c'est d'agresser de, de, son roi. Et pour agresser le roi là dans la position où il actuellement, est actuellement, c'est ramener une pouvoir... tour. Bah, ça va être ramener une tour, mais pour ça, avant, tu vas pouvoir essayer d'ouvrir un peu les lignes, quoi. T'as pas besoin de jouer un coup de développement tranquille en fait, parce que là, déjà lui, il est, il est mal positionné. Donc là, il faut que tu joues un coup qui va un peu ouvrir des lignes, et ensuite tu pourras sortir ton cavalier. Mais d'abord, il faut que tu fasses un truc. Je veux voir si t'arrives à le trouver. Euh... Qui ouais, en plus je, tu je, joues, je ça va t'ouvrir en plus des éventuelles diagonales pour ta dame. Faut que je t'ai un peu aidé là. Bah, il y a le pion ici. Exactement. Re Regarde ce que ça fait en fait. Mais si de tu deux cases ou d'une case. Hein ah non, de deux cases, faut être agressif. De deux cases, donc deux cases. Donc il mange. <laughs> L'idée c'est qu'il peut manger, mais toi l'idée c'est que tu vas. Regarde ce que ça fait l'échec en fait. Qui a derrière ça en fait, l'idée. Parce que c'est une idée qu'on retrouve souvent ce genre de schéma. C'est-à-dire que tu donnes un pion, ah mais le oui, pion ça y va... est, je l'ai, il est ici, l'échec. Voilà, et tu vas récupérer le pion obligatoirement, tu vois. S'il mange ton pion, tu fais échec, okay. il va moi, plus dire tu... Non, non, j'avais pas. Et, et l'idée c'est qu'en faisant ça, si tu veux, tu... Tu... tu vas au pire, si lui mange pas le pion, toi tu vas manger son pion, ouvrir la colonne C, ensuite tu vas ramener ton cavalier et, et rapidement tu vas attaquer. Quoi. Rien qu'avec la dame, tu vas lui poser des problèmes. Parce que regarde ton foot déjà, ton foot tape sur une bonne diagonale déjà. Ouais, ah, ouais je vois, je vois. Donc euh, voilà, C4, je pense que c'était le coup. Le... C'est pas forcément le coup que je t'aurais dit de jouer si on avait été avec la dame adverse, mais là, il n'y a plus la dame en face. Il faut, faut savoir s'adapter. Et là, maintenant, il faut que tu attaques en fait. Tu n'as pas de raison de pas attaquer, tu as, as trop d'avantages. Ouais. Je ne vois pas l'avantage que tu as, mais tu dois être à plus, euh, plus 8 ou un truc comme plus ça. Plus 6, plus 6. Ouais, plus 6 parce que tu avais peut-être... Euh, attends, on a combien 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on récupère le, on récupère le, le pion. Tu peux récupérer le pion, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de risque pour l'instant. Voilà, donc déjà là, tu as une position qui est intéressante. Là, tu menaces de développer ton cavalier, de ramener ta tour avec la derrière la dame pour faire. Tu peux aussi faire petit rock et ramener l'autre tour, c'est l'autre possibilité. Mmh. Ouais, je pense que le cavalier est plus agressif. Hein. Il faut te dire qu'une dame, en fait, ça rayonne tellement sur l'échiquier, en fait, que peut... c'est vraiment trop fort comme pièce. Et ça... Et, ça... et ça ça va attaquer trop de trucs en même temps, en fait. Il va avoir ah. du mal à défendre. Donc là, il, voilà. ouais, il essaie de un peu, mais c'est normal, c'est une bonne guerre. Donc là, bah, là, tu fais gaffe de pas perdre ta dame. Donc là, il faut trouver une bonne case pour la dame. Est-ce que tu peux menacer quelque chose, par exemple Je sais pas, euh, c'est pas sûr. Hein, mais Tu peux juste euh, la, la, la reculer euh, en, en évitant de te mettre sur une case où elle peut être en danger. Tu peux la mettre sur la bande pour clouer le pion sur le roi. Tu peux faire plein de choses. Et ça peut être pas mal de... Ça, c'est tranquille. Ouais, mais si je recule là, je bloque le cavalier, quand même. Un peu. Non, je pensais pas reculer là. Je pensais reculer pour clouer le pion sur le roi. Là où t'étais, en fait. Là-bas. Parce, parce que du coup l'avantage c'est que tu attaques deux pions quand t'es là. Qui sont défendus pour l'instant, mais, euh, mais pour l'instant, tu vois, ils sont défendus. Du coup, ça va obliger la tour à pas bouger, tu vois, pour l'instant. Donc dame parce ce A4. Parce que tu vois l'idée hein. c'est que, tu, vois, que tu, tu, tu menaces A6, et du coup sa dame est un peu bloquée. Sa tour mm -hmm. est un peu bloquée. Et en plus, le fait qu'il ait joué fou aussi, c'est un mauvais coup pour lui parce que ça bloque le pion qui te permettait de développer le fou. Pour lui l'autre fou. Donc là t'es bien hein. Je suis bien, je suis bien, je suis bien, on va voir. Par contre, vois, par contre, je vois pas ta pendule, donc faut que tu fasses attention, parce que moi je vois pas ton pendule. 18,52. Ok. 18,52. Ah, je vais... Je vais diminuer. Ah, je suis désolé, c'est en fait c'est moi qui t'ai fait diminuer en plus, mais... Ah, c'est nickel, là. Non, mais en vrai, ça va aller. Quand on est en plein écran, ça va, franchement, ça va. Ça, c'est quand même... Euh, il a poussé le pion là-bas, pour libérer, j'imagine, un emplacement pour le cavalier. J'imagine que quand même, il, que... il s'est libéré euh... une place, donc... Euh... Ouais mais ça c'est pas très grave ça, c'est oui bah ça c'est pas grave, mais il pouvait euh, déjà... On a toujours le cavalier qui est jouable. Alors soit tu joues un coup de développement, soit tu joues un coup d'attaque. Avec ta dame, comme tu veux. Tu peux menacer des choses avec ta dame en faisant des... un petit coup de dame. En pensant que tu as déjà ton fou qui est quand même bien positionné. Mmh. Après, c'est à toi de voir si tu veux jouer agressif ou si tu préfères jouer euh, un peu plus long terme, c'est toi qui vois. En sachant que est-ce que cavalier C3 c'est la bonne casse pour le cavalier Regarde après euh, si vraiment c'est la bonne case pour lui. Faut que tu râles les cases un peu où il peut aller. Affin, le... Si affin. tu râles le cavalier C3, si tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de cases pour le cavalier après. Hein. Parce qu'elles sont contrôlées par les pions adverses pour l'instant. Ouais. Donc euh, peut-être... Elles sont toutes contrôlées. Donc c'est peut-être pas la bonne case. Ouais, Je... Il reste Je... que Je... ça. Et là ça donne ça. On revient là et là ouais. c'est contrôlé. Ça c'est mieux parce que ça menace des fourchettes, tu vois. Après, ouais, mais ouais, tu as une bonne case. La case C4 pour le cavalier, c'est une très bonne case parce que ça, ça permet après de faire des fourchettes. S'il si échange, tous les échanges de pièces mineures sont à ton avantage à toi parce que as une dame. Je vois pas l'attaque avec la dame hein, parce que, à part, je euh... ah, si vois pas développe, Je te le dirai après, du coup, mais je te le dirai plus tard. Pas enfin, maintenant, je veux pas que je veux pas te non, mais si tu vois pas, développe ton cavalier ou fais petit rock. Enfin, tu vois, fais... fais un coup de développement, c'est pas c'est pas grave. Si tu vois pas l'attaque, c'est pas grave. Le but, c'est que ce soit toi qui la trouve. Donc, si tu la vois pas, euh, perds bah, pas de éventuellement et... Éventuellement, ici, en B4, euh, sur cette diagonale-là. Non, parce que l'idée, c'est de jouer en batterie avec ton fou. Là, tu joues pas en batterie avec ton fou. Ouais, non. Mais par contre, t'avais une autre case qui permettait de jouer en batterie avec ton fou en attaquant. Mais c'est pas grave, c'était pas, pas une attaque mortelle non plus. Donc, euh, ça aurait été un match, je t'aurais dit. mais... Il a, donc, euh, oui, donc, il a poussé puis Donc, il a avancé le cavalier comme prévu. Donc, euh, il vient contrôler, on va dire, ici et ici et ici, quand même. Euh, hein. Pour l'instant, il t'attaque rien de particulier. Donc, non, tu mais peux il, se, il se recentre. Bah là, faut que tu le menaces maintenant. C'est-à-dire que là, là tu as, as joué un coup de cavalier, donc maintenant tu peux ramener ta tour et faire une menace. Euh, donc là, bah, c'est tour euh, C1. Voilà, mettre sur une tour. sur colonne, ça pour pouvoir faire ça là derrière. Voilà, tu as une colonne semi-ouverte, tu, tu tapes déjà sur le pion avec ta dame, le pion est protégé que par le roi, donc faut aller dessus. Et faut voir ce qui, comment il va réagir. Sachant qu'il peut jouer fou. Oui, parce qu qu'en plus, là, c'est échec et puis derrière, c'est tour. Hein. Ouais, bien sûr. Mais là je pense que c'est ça ça gagne une pièce ici. Donc là il va devoir jouer fou C5, fou D5 pardon. C'est le seul coup. Euh ouais. Enfin c'est pas le seul coup mais c'est le seul coup qui défend vraiment bien tout. Voilà et donc là faut que tu fasses attention quand même parce que du coup en jouant ça bon il a défendu déjà le truc qui était attaqué et accessoirement il t'attaque autre chose. Donc faut que tu fasses attention. Il est sur cette diagonale là avec la, la tour. Voilà donc là il est peut-être le moment de défendre ouais mais la tour elle est pas attaquée en premier c'est d'abord le pion qui a attaqué. Mais c'est ça l'idée. Donc maintenant, il faut peut-être que tu te que fasses quelque chose pour euh, empêcher qu'il te bouffe le pion G2. Parce qu'il ne faut pas que tu donnes oui. des pions euh, Il y a plusieurs options possibles. Il y a celle-là. Mais bon, il y a quand même 1, 2, 3 défenseurs sur cette case. Hein. Ouais, ça, c'est pas. pas je je que pense que nous, pas on n'en a peu. que 2. Voilà, donc ça, c'est perdre un pion. Pour résumer. Et après, il y a euh, celle-là. F3. Euh, euh, pion F3. Il y, y en a une autre que tu as oubliée. On a une autre que j'ai oubliée. Et meilleure pour toi. Tili tili titi. Euh... Une team. Toute simple pour continuer ton développement. Bah roquer tout simplement. Bah, ouais. bah oui. Comme ça on se met là, à la ramènes... et on. Tu ramènes ta deuxième tour et, et ton roi protège le pion g2. Le pion g2 de toute façon ne peut pas être attaqué par une autre pièce pour l'instant. Ah non non. Ouais, ouais. Alors le seul truc que lui va te menacer, c'est qu'il va menacer de jouer euh, g5, sans doute. C'est sans doute ce qu'il va jouer au prochain coup d'ailleurs. Cavalier g5 ici Non g5 avec le pion pour attaquer ton fou. G5 avec le pion. Donc, ici, vois, Il l'a pas fait, ça, mais c'était ça. Ok ok. Voilà. Mais c'est pas mal ce qu'il a fait, tu vois, parce qu'il ramène. faut faire quand même attention, parce que tu vois, il va ramener son fou. Mais c'est pas terrible. Donc là maintenant, toi, il faut que tu commences à, faut que tu continues ton attaque. Il ouais, faut que tu essayes de continuer ton attaque, si tu peux. Donc euh tu as plusieurs choix, c'est soit tu, tu 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 voilà, tu développes ton cavalier pour essayer d'aller euh, d'aller faire des choses. Je pense que ton cavalier peut avoir une meilleure case que sa case actuelle, donc il faut que tu continues le développement du cavalier en essayant d'aller attaquer. Il va quasiment être forcé de manger ton cavalier parce que ton cavalier va être trop fort en fait. Si tu le joues sur la bonne case qu'on a dit tout à l'heure, si tu te rappelles il euh, y en a une enfin, il peut aller là mais là il menace rien donc c'est dommage non mais il faut que tu vois à long terme en fait c'est pas sur la menace elle va pas être en un coup faut que tu vois le. le... qu'est-ce que tu peux faire après, après être sur cette case par exemple par exemple si tu vas en F3 si tu vas en F3 avec ton cavalier oublie ces quatre pour l'instant si tu vas en F3 c'est juste pour t'illustrer ce que je veux te faire trouver si en F3. tu vas en... Si tu vas en F3, l'idée c'est l'idée c'est pas d'aller en G5 parce que pour l'instant le, le, la case est contrôlée. Mais l'idée, ça peut être, la première idée, ça peut être d'aller en H4 pour ensuite aller en G6 et attaquer la tour, par exemple. Ça, c'est une idée de projection. D'aller en H5, d'aller en H4 et d'aller en G6. C'est pour te montrer le cheminement qu'il faut que tu fasses dans ta tête. La deuxième idée, ça peut être d'aller en E5 pour faire échec. Et, en, et du coup, ça rattaque le pion, euh, le pion C6, par exemple. Quand tu es en F3, quand tu en F3, c'est d'aller vois F3, E5. Pim pam. Ouais. Là, donc ça c'est toi. Là. Voilà, donc ça c'est une idée. Bon maintenant, là on a, on a regardé du côté F3, regarde du côté C4. Et salut Adamac. Pourquoi Adamac. Regarde de l'autre côté s'il n'y a pas des menaces intéressantes. Ici, effectivement, il y a tour plus, euh, plus roi. Voilà, ce qu'on appelle une fourchette qui gagne une, la tour sèche. Et qui en plus, en plus menace d'attaquer le fou qui, je te rappelle... Et après c'est ce le... que je te dis, là ici il, il va être obligé de manger et derrière bon, on, prend, on, prend, on prend le fou quoi. Bah tu prends le fou mais peut-être pas mais la dame. Parce que je te rappelle que tu vas peut-être pouvoir ramener des choses sur la colonne C. Parce que ton idée c'est d'aller péter C6. Hein. Donc on peut le faire avec la tour. Bah oui pour doubler les tours en fait. Parce Ça que je te Ramener... Ouais ok Ramener okay. des tours c'est très fort. Donc là, tu, tu comprends le cheminement d'idée, en fait. C'est-à-dire okay. que ton cavalier, en fait. Il... Mais après, je pense que les deux côtés étaient intéressants. Le seul problème d'aller en F3, c'est que si mangeait le cavalier avec le fou, ça te faisait une doublette de pions, ça ouvrait un peu ton rock. Donc c'est un peu mieux. Comment ça va Eh bien, ça va bien, tranquillement. Et euh, ça faisait longtemps, ouais, le, le rendez-vous chèque, ça sera une fois par semaine. Malheureusement, on n'en fera pas beaucoup plus. Je... Sinon, ça veut dire que je stream H24. C'est compliqué. <laughs> Donc une fois par semaine, ça sera. Euh, là, c'est jeudi soir, mais à partir de septembre, ça sera le mercredi soir. Mercredi soir, le petit coaching avec Benny. Ouais, moi je suis devoir dans Warcraft le jeudi. Mais <laughs> eh oui, c'est ça. Ouais. Non. non, mais ça tombe bien. Le, le mercredi, c'est bien. bien. Donc là, voilà. Donc là, t'as quand même des menaces qui sont intéressantes euh, un peu de partout. Si jamais ils mangent ton cavalier, c'est tout bénef pour toi parce que déjà, comme je te disais tout à l'heure, vu que t'as une dame, en fait, tout échange de, de pièces mineures est à, est à, est à, est à ton avantage. L'approche des 1000 Elo, ouais, ouais, ouais. Ouais, ça monte. Après, on en a gagné une par abandon aussi. Ouais, une gratos au quatrième coup, je crois. Je sais pas mec. si tu prends ouais. du Elo, là, non Ah si, si, tu prends des points. À partir du moment où, en fait, euh, sur chess.com, à partir du moment où les deux joueurs ont joué au moins un coup, s'il y en a un qui abandonne, il perd des points. Et okay. l'autre gagne des points du coup. Et, et même les déconnexions, je crois, te font gagner des points. Hein, pour info, s'il y en a un qui déconnecte, euh, tu, le celui d'en face va gagner des points et celui qui a déconnecté va perdre des points. Ça, c'est par contre, c'est un peu mal fait quand tu quand es vraiment déconnecté euh, euh, pour, euh, bah, parce que tu as une déco réelle. En fait, et bah, tu perds quand même des points. Ouais. Mais c'est un système pour empêcher la triche. Donc là, c'est bien parce qu'il te laisse un peu respirer. Donc là, déjà, tu peux pré-move euh, euh, si jamais il mange ton cavalier, déjà. Avec la, avec la tour. Hein. Bah, moi je pense que c'est mieux mais après c'est à toi de voir qui... c'est toi qui a la souris <laughs> bah, je pense que c'est mieux parce que tu vois tu vas ramener ta tour derrière et du coup tu vas taper euh, tu... Enfin, quasiment C6 et quasiment mort en fait parce qu'il il, il peut pas le seul moyen de défendre C6 en dehors du fou et en dehors du roi c'est de défendre avec la tour et s'il défend avec la tour bon déjà ça fait qu'un défenseur alors que toi tu en auras trois et en plus il perd, euh, ouais, il, là, perd là, il perd A6 et puis il est menacé hein. il va se retrouver voilà. menacé dans la diagonale quand même quoi qu'il arrive non mais là il a quand même un gros gros problème, hein. ton, ton dernier coup euh, c'est très problématique pour lui. Donc là je pense qu'il est possible qu'il réfléchisse un moment. Mmh. Il a le droit, on réfléchit nous aussi. Ah non mais c'est tant mieux. On est à plus 7 là numériquement parlant. Ah mais maintenant vous le voyez ouais. Ouais mais parce on que t'as mangé la dame. T'as mangé la dame contre un fou, donc forcément. Bah l'ouverture était assez intéressante quand même. Ah ouais, mais je suis frustré de la toute première là, c'est une ouverture qu'on n'avait jamais vue et j'aurais bien aimé pousser plus loin parce que en fait c'est probablement mat. Ouais. Après la, la première qu'on a vue, euh... ouais, la première qu'on a vue en fait c'était vraiment une ouverture qui est rarement jouée durant longtemps. Le problème c'est que je pense que l'adversaire, je suis même pas sûr qu'il l'a joué parce qu'il le connaissait en fait. C'est peut-être juste qu'il a joué sans hasard peut-être. Il a euh... reculé. Il a reculé. Donc, on peut quand même faire fourchette euh... Euh, fou euh, tour. Dans tous les cas. Alors ça c'est la première possibilité. Euh... Non mais finalement son coup c'est pas si mauvais que ça parce qu'en vrai ça part la menace de la fourchette donc c'est pas assez intéressant. Oui c'est bien. Euh... Là, là, on, peut, tout... on peut de nouveau faire échec en allant avec le, le cavalier. Ici, ça fait échec là. Ah non, c'est ouais, mais... ouais, mangé par le fou. Pardon, pardon, pardon. Moi je pense qu'il faut que tu continues ton idée. Ton idée, de... ton idée depuis tout à l'heure, c'est de... de faire pression sur C6. Donc il faut que tu continues et en, en, en profitant du fait qu'il n'a pas mangé ton cavalier. Donc maintenant, tu peux peut-être euh, essayer d'aller faire une pression supplémentaire sur C6. C'est ta cible, C6, en fait, actuelle. C'est ma cible. Euh, bah ici, cavalier A5, on réattaque C6. Ouais, mais fois plus. Ouais, ça, je suis d'accord, mais on, on ouvre pour la tour. Est-ce que t'as pas une meilleure case pour faire ça, du coup Parce que là, tu t'écartes un peu du... Tu te mets sur le côté du jeu, c'est dommage. M'écartes un peu. Regarde toujours les Ici. deux tu t'as deux scénarios possibles pour ton cavalier. Regarde toujours les deux. Est-ce que, est -ce que celui-là n'est pas plus intéressant Celui-là est pas plus intéressant. On est plus Après, central, est... si, c'est forcément mieux. Après, c'est à toi de voir. Si tu considères que es bon, l'autre est bon, joue-le. vois, c'est toi qui fais le choix final. Mais voilà, c'est à toi de décider. Moi, je, je sais lequel coup je jouerai. Ah, c'est à toi de voir. Celui-là est beaucoup plus intéressant dans le sens où c'est plus du côté du roi. Tu menaces aussi d'aller en G6 attaquer la tour adverse. C'est quand même plus intéressant, tu vois. Et accessoirement, tu fais quand même une pression sur c6. Donc là, les coups possibles pour lui, c'est de jouer fou g6, euh, fou d6, pardon, pour essayer d'attaquer ton oui. cavalier, ce qui n'est pas, que... pas vraiment une menace parce que c'est pas vraiment une menace parce tu pourras quand même péter c6 du coup. Mais je pense que c'est le coup qui va jouer. Tous les autres coups, je pense, perdent. Euh, ah oui, il y a ça quand même. Il peut y avoir un coup un peu chiant. G5 peut être embêtant. Ça perdra pas, mais ça peut être embêtant. Ça peut, c'est peut-être qu'il va jouer g 5 hein. ici pour le fou. Ouais, g 5, il va, il peut chasser ton fou, mais bon, c'est pas très grave. Heureusement, t'as le pion E3 qui tient la, qui tient la position. Parce que tu vois, il a le schéma, quand je t'avais montré l'autre fois là, qu'en gros, s'il pousse G5, après, sa menace est de pousser F4 pour te coincer le fou. Mais pour... Non, il a mais joué le fou. Il a joué le fou. Ouais, voilà. C'était logique, j'avais été sûr qu'il allait jouer ça. Donc là, ben, bah, il faut que tu calcules, est-ce que tu peux manger C6 ou pas Parce que c'était quand même ta cible. Je calcule. C'est-à-dire. Tu calcules si la, la, la prise de C6 est, est bonne ou pas. Parce que là, il n'y a qu'à la position à changer puisqu'il a développé son front d 6. Je te dis pas que c'est pas faisable, je te juste de calculer. Regarde euh, si c'est violent. Si je mange, admettons je pars avec Cavalier. Lui derrière, il peut, il peut faire quoi Il peut aller prendre le fou, mais. Voilà. Ça, mmh. c'est le premier cas de figure faut que tu calcules. Mais par contre, il y a, pro... a peut-être un problème pour lui, je ne sais pas. Parce que du coup, ton cavalier, s'il se rebarre, en fait, ça fait échec roi. Ouais. ouais. Donc ça veut dire que... Tu... Est-ce que tu arrives à analyser ce qui se passe du coup C'est pas faire quoi un échec par découverte du cavalier, c'est ça Non, ce qu'il faut que tu regardes, c'est que, en fait, il faut que tu calcules que là, si tu fais cavalier, prend pion, toi, tu gagnes un pion. D'accord Lui, il fait fou, prend fou, il gagne un fou. Oui. Sauf que là, c'est à toi de jouer. Donc, toi, tu vas, si tu rebouges ton cavalier, l'idée, c'est que si tu remanges son fou, si tu arrives à remanger son fou sans que lui mange ton cavalier, tu auras gagné un pion. Yes. Puisque vous aurez changé une pièce, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça qu'il faut que tu calcules. Mais, enfin, voilà, il faut que tu, que tu vois ce, sur euh, ce que tu peux faire après. En sachant que le pion, actuellement, est cloué avec le roi. Donc, c'est-à-dire que ton cavalier, s'il rebouge après, lui, il va pas pouvoir euh, rebouger son fou puisqu'il sera en échec. Je sais pas si c'est compliqué ce que je dis, c'est peut-être un peu trop compliqué, mais. Bah, le fou il est là, mais après je suis en train de regarder où est-ce que je peux rebouger à partir de là. Je peux juste revenir sur place, quoi. Bah, tu peux revenir sur place, mais il n'empêche que c'est quand même chiant pour lui parce que tu contrôles des cases. Tu... Et surtout, bah, accessoirement, il peut pas te remanger le cavalier tout de suite. Ça fait échec au roi. Et après on prend avec le pion. Et après tu peux en reprendre avec le pion. Et ton cavalier est toujours bien placé. Le pion sait si ça a disparu. Le fou a disparu. Et... Et accessoirement tu attaques sa tour aussi. Ah non t'attaques pas sa tour pardon. Non t'attaques pas, pas sa tour. tour. Autant pour moi. Ok. Mais, mais par contre, ta tour va pouvoir rentrer. Ça c'est le, le pire scénario. Parce que le, le meilleur scénario pour toi, c'est si jamais il prend ton fou, le cavalier avec le fou. Parce que là, t'as calculé fou prend fou, mais il peut aussi faire juste fou prend cavalier. Mais ça, c'est un scénario qui t'arrange. Ah oui, j'ai pas calé. Oui. Ah oui, non, non, ça me semble... Ça me semble pas bon pour lui, ça, quand même. Hein. Ah, oui, mais il faut quand même le regarder, tu vois, dans ton... Ouais, dans ton... Ah, mais cavalier prend pion, euh, fou prend cavalier... Voilà derrière, euh, derrière tu fais quand même euh, Dame prend euh, en fou, euh, tu mets échec, tu menaces la tour, et tu menaces surtout l'autre fou aussi. Et l'autre fou quoi, ouais, ouais. Qui est déjà attaqué par ton premier fou. Non mais c'était juste pour que tu rigoles. Si c'est bon, vas-y. C'est juste que l'idée c'est que il faut pas que tu joues. Mais... Enfin, tu vois ce que tu En enfin, fait ce que tu viens de faire là, le cheminement d'idées, c'est ce qu'il faut que tu fasses dans ta tête à terme. Tu vois c'est ça, ça que tu ouais, censé ouais, réaliser. Ouais, ouais. C'est dur en fait. Ça encore dur ça ouais. Je te l'accorde. Mais c'est pour montrer en fait, le cheminement d'idées que tu dois avoir en fait, à terme. Quoi. Et c'est là où la différence entre, entre toi et moi, c'est que moi ça je le calcule très vite. Et entre moi et un grand maître, bah, lui il a, il a déjà calculé peut-être 5 ou 6 coups, peut-être 10 coups après, tu vois. D'accord. C'est là-dessus là, là que ça se joue quoi. Ou peut-être que moi, moi quand il me faut une minute pour calculer, bah, lui il le fait peut-être en 10 secondes. Quoi. Donc là, bon, là tu, tu sais que... c'est compliqué parce que tu, Alors, si tu... Alors, tu peux pré-move des choses, mais c'est un peu dangereux là. Donc, on, va attendre, temps... on, va attendre, on va attendre de voir ce qu'il fait parce que là, ça. Et là, il a que deux choix, de toute façon. C'est soit il mange ton fou, soit il mange ton cavalier. S'il mange ton fou, on a vu qu'il perdait un pion parce que toi, tu refais la découverte et après, tu mangeras, tu remangeras tranquillement ton, son, ton cavalier. Ton mm. fou S'il mange ton cavalier, dans les deux cas, de toute façon, il est perdant. Enfin, es... il est déjà perdu, de toute façon, mais bon. Parce que ah, là, tu vas te il faut finir quand même. Ah, il reste une 9 minutes, euh, je, voilà, il va pas falloir trop perdre de temps, mais ça doit, ça doit le faire. On va voir, on va voir. Il... Disons qu'il ne faut, il faut pas tergiverser euh, suivant le coup. Et si l'autre truc il faut que tu calcules, c'est si jamais il bouge le roi, par exemple. Et bon, est-ce qu'il a vraiment, euh, est-ce qu'il peut vraiment bouger le roi sur une bonne case le, le problème qu'il a, c'est qu'en fait, en faisant la découverte, en attaquant le pion, le problème que tu lui as posé, ouais, c'est le que tu roi ici et ici, c'est pas intéressant parce que là, il reste dans la diagonale où il se met dans l'échec, donc il peut pas venir. Après, ça lui, donc ça lui laisse quoi comme case Ça, lui, ça, ça, ça et ça. Bon, il, à, il a fait ce qu'on a dit. Ouais, donc là, tu fais ce que tu on fais. On reprend que... le cavalier, on se replace. Échec. Voilà, tu, échec, voilà. tu refais échec. Donc il est obligé de bouger son, son, son roi hein, là il y a pas c'est pareil après du coup on ouais. contrôle quand même ça ça ah mais là t'es bien donc, bon, euh... il a quand même son cavalier heureusement, heureusement qu'il a son cavalier parce que sinon il y avait un réseau de mat quand même déjà il y avait un réseau de mat direct en fait mais là pour l'instant son cavalier tient la baraque parce qu'il tient la case d7 D donc là tu réfléchis ici, ouais, okay. ouais c parce que tu vois si le cavalier contrôlait pas la case d7 tu pourrais rentrer avec ta dame en fait puisque ta dame serait protégée par le cavalier ouais. Là je pense que tu peux quasiment prémove la prise du fou. Parce que tu vas forcément devoir la faire parce que tu peux pas laisser les fous comme ça. Donc pion en fou. Voilà. Ouais, je pense que tu peux le prémove. Ou en tout cas tu peux te préparer à le jouer parce qu'il va forcément bouger le roi. Et euh. Non le pré-move bah, annule le pré-move, on sait jamais. Tu fais le bouton de droite. C'est fait, c'est fait. On sait jamais, parce que si jamais il avait la bonne idée de, de, de rapatrier son cavalier pour l'échec, je pense pas okay. qu'il va le faire. Mais on sait jamais s'il si joue... Il a bougé le roi. Ah, donc là, alors attends, parce que là, la position, elle a changé. Attends, 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 attends. Euh. Ouais, là, il y a des choses qui ont changé, là. Non, mais on ne peut pas rentrer. On peut pas rentrer, on ne peut pas rentrer. Après, on peut, on peut amener la tour. On peut amener la tour ici. Ouais, mais il y a d'autres choses qui ont changé, en fait. Mais... Moi, je dirais que. Ouais, ça, tu peux le faire, mais le problème, c'est qu'il va rattaquer ta tour en bougeant le roi, donc je sais pas si c'est très avantageux. Par on contre, on va voir derrière c'est un peu dangereux, ouais ouais, pour lui. Enfin, c'est un peu dangereux pour toi, parce qu'en fait, du coup, tu lui laisses la case. Je suis pas sûr qu'il puisse le jouer lui vraiment en vérité, parce que. Okay. En, en vrai, je pense que ce que tu proposes, ça marche en fait. Mais euh... Bah vas-y, tu sais quoi, euh... on va voir si tu vois la suite. Est-ce que tu vois la suite en gros Est-ce que s'il joue roi D8, tu fais quoi en fait Donc je joue ça. Il joue le roi ici, D8. Il attaque ta je... tour du coup. Ouais, il attaque, tu... euh, il attaque ma tour. Qu'est-ce que je peux faire ici Des super intéressant pour le. Ouais, en sachant que t'as donné une pièce quand même, hein. ça veut dire que là il faut jouer un truc agressif parce que comme t'as donné déjà, t'as donné une deuxième pièce. Parce que, parce que lui, il a, quoi, il reprend le, le cavalier ici, ça. Bah, en gros, si tu fais pas, si tu fais pas un échec derrière, lui il va faire ça, oui. Ça, ça, donc pour aller faire un échec ici, c'est attention ici. À, attention, attention, en sachant que ta tour est en l'air. Tu peux pas faire là parce que ta tour est en l'air. Du coup, lui, il va pouvoir manger ta tour tranquillement. Oui, c'est vrai, si je fais ça. Maintenant si je le mets échec. Ah oui, il peut la manger en ce bar. Hein. Ah oui, il peut la voilà, manger en ce bar. Voilà. voilà, par contre, rappelle-toi, rappelle, euh, rappelle ce que. Putain, le problème, c'est que je, veux, je vais te mettre sur la voie mais... Ça, on a parlé d'une case juste avant, en fait. Tac, 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 tac. Bon, oh, j'essaye d'aller vite, mais on a 6050. Je encore. Tout à l'heure, passé... On a parlé d'une case juste avant. Je vois pas En sachant que tu commences à avoir du monde oui, sur cette case. Ça, là, mais, euh, mais, euh, mais lui il a ça derrière. Oui d'accord, mais on t'a pas. Oui, mais d'accord, mais re ta... on imagine que ta tour est en c7 là. Et son roi en D8. Donc tour C7, Roi en D8, je bouge dame. Ici. Non, bouges... mais non, tu peux pas bouger la dame. Mais non, il y a son cavalier. La dame, tu peux pas la mettre parce que ah, tu vas perdre vrai. la dame. Par contre, tu peux bouger autre chose avant. Pourquoi bouger la dame en premier la dame, c'est celle qui doit aller mater, donc tu vas pas la bouger en premier. Si tu la bouges en premier, je suis d'accord, c'est pas bon pour toi. Mais okay. t'es pas obligé de la bouger en premier. Tu peux mettre autre chose à la place. Un truc qui est attaqué, actuellement. <laughs> réfléchis, Nicolas. Ouais, je sais que je t'ai fait chier, mais c'est pas vrai. Non, non, réfléchis, <laughs> j'ai dit. Je vais ah, me... <laughs> <laughs> <'ai> dit réfléchis. Je <laughs> dis réfléchis. C'est mon cavalier que je dois bouger, non Non. Je vois mais non, c'est quoi Ce qui est attaqué, c'est la tour. Ah, je ramène la tour derrière. Curé. Non, 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 mais non, mais non, non, non. non, tu, dois... non tu te rappelles que tu dois jouer agressif, parce que sinon il fait fou pour un cavalier. Ton cavalier est très important parce que c'est le cavalier qui peut te permettre de faire math. Mais pour ça, il faut que tu fasses des échecs. Parce que si tu fais pas échec, lui il fait fou pour un cavalier. T'as une tour qui est mal placée en c7. On a vu que la case D7 était ultra défendue par toi. La case D7, tu la tiens avec ton cavalier, ta dame et ta tour qui est en C7. Bon, va... Je vais essayer de te mettre sur la voie. Si on, on, oublie, on oublie ta tour, on oublie ton cavalier. Ouais. Son cavalier noir, on oublie son cavalier noir, pardon. S'il n'y a pas le cavalier, s'il n'y a pas ta tour, s'il y a le roi en D8, comment tu fais pour faire un chèque et mat avec ton cavalier et ta dame et Tu m'as dit, je ramène la dame ici. C'est ça à lui, à, Voilà, là ça fait mat, on est d'accord si le roi oui, est en D8. Ça, ça, on est d'accord, ouais. jusque-là ça va. Donc là ça marche si son cavalier noir n'est pas là Oui. Donc, du coup, comment tu peux faire pour que son cavalier noir ne soit plus là Tu peux pas le manger parce que rien ne peut l'attaquer pour l'instant. Par contre, tu peux, peux l'obliger à manger quelque chose, toi. En tout cas, tu peux proposer de l'obliger à jouer quelque chose. Je te rappelle que ta tour est en C7. Ma tour est en C7. Ah, c'est compliqué parce que tu le, tu le, c'est très simple à mettre. Ah, je le vois pas. Hein. Je te jure, je le vois pas. Hein. Tu, tu peux pas jouer un coup de tour en fait Juste redescendre la tour Non, tu dois faire échec. Ah, non, je vois. Et... Ici. Non, mais non, je peux pas lui proposer. Euh... Et pourquoi tu peux pas le proposer Tu te ah, rappelles que la dame. Si elle est protégée avec la dame. Et tu te rappelles que si le cavalier mange la tour, OK, c'est pas un bon échange pour toi, mais tu vas mater le coup d'après. Donc c'est un bon échange pour toi. OK. Tu... Est-ce que tu as vu le cheminement d'idée ah, Je vois, mais je ne pas la fin. Hein. Ah, c'est dur, mais c'est. Vas-y. Ah, par contre, attention, ça va dépendre de ce qu'il va faire. Mais ah, dans tous les cas, on a regardé le coup le, le, plus... le, coup le plus emmerdant pour toi c'était Roi des 8 parce que ça attaquait la tour mais on a vu que ça marchait pas à cause du de, de... et si jamais regarde et, et là maintenant faut que tu analyses autre chose si joue roi d8 parce que là faut que tu faut que analyses maintenant parce que sinon euh, tu as, as plus de temps si joue roi d8 donc tu fais tour échec par contre il est pas obligé de manger ta, ta tour donc il faut que tu analyses s'il fait roi c8 maintenant donc euh, donc il se met là Mais là. Là, là ça va être facile à je il se met là je bouge voilà. et tu voilà. me dis il y bouge encore si allumes la case juste, tu peux la colorer juste. Voilà. S'il si va en c -U, tu fais quoi toi En ce là, change, je ramène tu vois... la tour. Voilà, voilà, ça c'est bien. Tu vois, déjà mmh, t'as vu le chemin. Bon. Et après, tu devrais arriver peut-être à mater. Faudra regarder, mais euh, déjà il va, il va commencer à se sentir mal. Parce que as la dame qui pourra peut-être ah, faire un avait échec. On pas vu ça. 3 d 6. Ah oui, bah, est-ce bah, est que ça change quelque chose Ça change rien, ça. Hein, ce qu'il a joué. Non, on peut quand même ça faire notre se... tour là. Bah, calcule. On fait quand même ça et euh, il est obligé de faire quelque chose. Il peut pas aller là. Euh, il pourrait aller en C5. Non, bah, il peut non, pas, il peut pas, en... il peut pas aller en C5. Il a plus qu'un seul euh, coup là. Ici, ici. Euh... Il peut pas. Non ouais, il y a plus qu'un seul coup. Bah, il, est de... il est obligé de la faire de la de prendre, non? Ah ben bah là oui. Il est obligé il de la jouer prendre avec le cavalier. Il a joué un, un, un plus mauvais coup de défense que ce que j'avais envisagé, donc. Euh... Je mets la tour. Voilà. Il est obligé là, de prendre bah, avec le cavalier. Et échec au roi. Il est obligé de prendre parce qu'il n'a pas d'autre de toute façon. Et on rentre avec la dame et c'est voilà. fini. Mais tu vois le, elle me met la pression quoi. Elle ouais, se régale. Hein. En fait, j'essaie je je de te montrer le, 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 le cheminement d'idée qu'il faut que tu aies, mais c'est pas évident parce que. Là, c'est un cheminement pour aller mater, quoi. Mais l'idée, c'est surtout d'aller de trouver les, les différentes attaques. En fait, tu vois les attaques, on va dire, primaires, entre guillemets. Oui, c'est ça. Euh, ouais, euh, le premier, voire peut-être le maximum, le deuxième mouvement. Mais après, là. Et le deuxième, plus, je pense compte. que tu arrives à le voir, mais des fois, tu ne l'envisages pas, en fait. Parce que tu, tu, je pense que tu peux le voir sans problème, en fait. C'est juste que tu ne l'envisages pas parce que tu n'as pas l'habitude de calculer plusieurs coups à l'avance, en fait. Et c'est plus une histoire d'habitude, en fait. Donc là, il, soit il va jouer euh, cavalier prend-tour, soit il va abandonner. Mais ça va, ça va, venir en fait, petit à petit, ça va venir forcément parce que c'est, en fait, c'est, c'est euh, ce qu'il faut que tu arrives à faire et c'est valable pour tous les joueurs d'échecs qui essayent de progresser. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est développer le, développer la manière de calculer. en fait. Il y a des méthodes, en il fait. y a des schémas qui sera. Tu vois, le schéma dame cavalier, c'est un, un, schéma. Le schéma de doubler les tours, c'est un autre schéma. Un autre schéma. Ouais, ok. Tous ces schémas-là, en fait, c'est ça qu'il faut que tu enregistres. Hein. C'est enfin, Encore une fois, c'est pas une obligation, mais en tout cas, c'est ça permet de progresser. Et quand tu deviens très très fort, c'est que tu as retenu tellement de schémas en fait que tu couvres énormément de possibilités en fait. OK. Voilà, bah là il a, il a fait ce qu'il était obligé de faire et là bah maintenant tu vas le mater gentiment. En sachant que de toute façon la partie était gagnée depuis longtemps puisqu'il avait quand même donné sa dame hein. Donc voilà. Donc là euh, tu as juste euh... je n'ai... Elle était pas mal cette partie. Alors, est-ce qu'il va nous jouer F B4 oui. On joue les noirs. La partie. Non. Il joue ça. T'as un espagnol, c'est ça Ouais. Euh... Tac. Pion E5. Si tu veux. C'est classique. Ouais, c'est classique, je sais. JJ, merci, l'oublie. <laughs> Ok. Euh... Cavalier C6 Oui, c'est une des possibilités. Toujours classique. Donc là, il a deux possibilités. Soit il développe son fou en C4 et c'est l'italienne, ce qu'on a vu la dernière fois. Soit il joue fou B5, c'est l'espagnol. Ou alors il joue D4, c'est l'écossaise. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Alors l'écossaise, c'est celle que je connais le moins bien. Donc on a fait une partie il n'y a pas très longtemps, la, la dernière fois il, il y avait eu un, il y avait une partie comme ça. Donc là ce qu'il faut que tu calcules, c'est toujours pareil, c'est euh, si tu prends le pion, premier, premier coup que tu dois calculer. Oui, je suis en train de le faire dans ma tête, je te laisse parler, mais bon si je prends pion, en vrai je pense qu'il prend le pion avec cavalier. Et après c'est... on peut prendre. Mais euh, on s'expose à quoi On s'expose à ce qu'il vienne refinir le travail avec sa dame et avoir sa dame au milieu. Ça c'est la première possibilité. Mais après tu es pas obligé de reprendre. Là, là le truc c'est que tu as envisagé que tu prenais deux fois en fait, mais tu peux prendre qu'une fois. Ouais, comme la dernière fois je prends. Mais si je prends et qu'il prend, je, je peux ne pas prendre. Juste je contrôle la case, c'est ça Voilà, tu peux juste prendre avec le pion par exemple et attendre que ça se passe quoi. Et ensuite tu peux jouer un autre coup parce que bon après ok il pourra trop manger le cavalier mais c'est pas mal. Euh... Pion prend pion je pense que je crois que c'est le coup principal de mémoire, mais. On prend un pion, on prend pion, et si revient avec le cavalier, on peut, on peut prendre avec le cavalier. Je ne suis pas sûr. Hein. Bah, ou alors fais par, fait à l'inverse. Si tu joues pas, si tu joues pas la prise, tu fais quoi d'autre Quand tu t'es pas sûr en fait d'un coup, faut analyser les autres coups. Et ensuite tu verras si celui que t'as analysé il, est, il était bon ou pas, parce que si tous les autres sont nuls en fait, bah, c'est peut-être celui-là le bon, quoi. <laughs> là, son coup D4, il attaque ton pion, donc comment tu, donc du coup il faut que tu le défendes. Ouais ouais ouais, n'y euh... a pas grand-chose d'extraordinaire en défense, là. Enfin, je vois rien d'extraordinaire, comme ça. Bah si tu vois rien d'extraordinaire, c'est peut-être parce que la prise c'est le bon coup. Ouais ouais, je pense. En tout cas c'est le moins pire. Pion prend pion. Et pourquoi on a la sensation que, que c'est quand même une position vachement moins bien pour les noirs, ça hein, Non, non, c'est... Pour l'ouverture. Ah ouais Ouais, ouais, c'est une impression parce que c'est... Ah, je pense qu'il avait pré-shot cavalier, prend cavalier. Euh, ok je crois, que, je crois que ce qui n'allait pas la dernière fois, c'est que tu avais repris le cavalier avec ton cavalier, en fait. Ouais, je pense, ouais. Alors que là, en fait, concrètement, tu peux, tu peux aussi développer une pièce et, je sais pas, et, et attaquer un truc à lui, par exemple. Je suis fou ici. Voilà, par exemple, ça, c'est une très bonne idée puisque tu attaques son cavalier et tu te mets sur une bonne diagonale si jamais il mange le cavalier tu fais quoi ouais, tu crois qu'il viendrait ici bah, on sait jamais c'est une possibilité s'il le mange il faut que tu l'envisages ah, il faut le manger bah oui il est venu hein. attends dis ah ouais. donc euh, bah, ah ouais. est-ce que il <laughs> faut manger avec un des deux pions hein, quand même oui ça en effet la question c'est lequel. C'est lequel et ouais c'est lequel. Parce qu'il y en a un qui est peut-être un peu moins bien que l'autre. Euh. Je sais pas, c'est le dé qui, qui monte, non ben, plus... Il se passe. Mais, mais non, mais non, mais c'est. Là, je cherche pas à essayer de te rappeler d'un truc, en fait, juste analyse la position. Si dé prend, il se passe quoi derrière C'est à lui de jouer. Si Déprend, c'est à lui de jouer. Il s'est passé quoi après Déprend il a... Ça ouvert des trucs quand même. Ah oui, il y a l'échange de dames. Il y a l'échange de dames et toi, tu, du coup, ça te déroque en fait. Ça me déroque. Donc c'est pas forcément un, un mauvais choix, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un choix. C'est-à-dire, si tu fais ça, ça veut dire que derrière, t'es déroqué. Parce qu'il va forcément changer les dames. Donc si tu fais ça, ça veut dire que tu rentres en finale avec échange de dames et ton roi qui est au centre déroqué. Ce qui, est, ce qui peut être un risque tu vois parce que ton roi est au centre il peut pas roquer donc ça peut être un peu chiant donc c'est l'autre alors c'est b b6 t'as pas le choix en fait bah t'as le choix en fait tu peux choisir d'être déroqué c'est pas déroquer c'est pas perdre la partie parce que c'est un échange de dames c'est juste un choix c'est pour ça que je te dis si tu prends l'autre pion ouais mais un que débutant en tant que débutant, moi je dirais qu'il vaut mieux que tu gardes ta dame, mais après euh, ouais. euh, c'est pas une erreur en soi, c'est juste que c'est un dérocage, ça peut être un peu pénible, mais c'est pas... Si tu fais l'autre pion en fait, ça, ça regarde ce que ça fait, cest à que ça te fait un pion qui va vers le centre quand même, tu sais, qui se rapproche du centre, mm -hmm. qui peut être un renfort pour une éventuelle poussée de D5 à plus long terme. Et ça t'ouvre la diagonale du fond. Ça, sais, pour faire... euh, ouais. On va faire ça. Donc, euh, c'est un choix, quoi. Après, encore une fois, il n'y a ah, pas il, de... Il y a des trucs hein, euh, à jouer, là. Ah non, mais il n'y a pas de... Pour l'instant, a... c'est pas un coup de l'année. Mais après, je suis pas sûr que la prise du cavalier soit bonne pour lui. En l'occurrence. Parce que Minorel tu as une pièce développée de plus que lui, pour l'instant. Là, il vient, une... il vient ici. Euh, donc, dans la prévision de venir taper là. On est ouais, bon, sur ça. ce... Ça c'est pas inintéressant, mais pour l'instant il n'y a pas de problème majeur. Donc là il faut que tu fasses attention quand même. Donc là ce que tu peux faire c'est par exemple toi tu peux lui faire un peu peur là. Si tu veux, t'as un fou qui est déjà bien positionné. Là tu viens de montrer la menace pour les blancs. Tu peux faire la même avec les noirs. qu'est-ce que je peux faire avec les noirs là? Bah, tu, tu, viens, tu viens de montrer à l'écran la menace avec les blancs. Tu peux faire la même menace avec les noirs. Donc avec tes pions et tes pièces. Oh, tu mens Ah non, non, je mens pas. Bah, la, la menace, t'as as mis la dame en H5 pour montrer la menace sur F7. Oui. Donc toi, tu peux faire la même menace avec tes pièces. Sauf que tu vas jouer avant lui. Donc forcément, euh, bah, il va falloir qu'il défende avant d'attaquer lui. Sauf que toi, tu vas pas attaquer F7 puisque c'est ton pion, tu vas attaquer le pion adverse. Non, as déjà je, ton. Je tape dessus. Je peux, je peux pas faire ça. Mais pourquoi tu pourrais pas le faire en fait mais Je sais pas pourquoi tu peux pas le faire. Bah si je peux le faire, mais euh... bah, là ça menace Matanakou coup quand même, hein, s'il si ne fait pas quelque chose. Il va pousser, il va pousser Pion. Il il va pousser... Ouais mais s'il pousse Pion, tu, tu manges le pion au 4. Là il va faire petit roc il a pas le choix. Petit roc. C'est son seul choix, hein. sinon il perd quelque chose. Et déjà, et déjà, là, tu, tu menaces de gagner. Potentiellement, tu vois, tu menaces de gagner le pion E4. Alors, le seul problème, c'est que ton pion E4, il est aligné avec ton roi. Donc, c'est un peu dangereux. S'il fait petit rock, tu vois, parce que du coup, il pourra mettre une tour d'air. Mais il n'empêche que là, tu... Et petit si tu regardes, c'est bien vu. Voilà. Donc, ben, c'était son seul coup, hein, parce que sinon, tu, tu mangeais des choses. Donc là, il faut que tu fasses attention, parce que... L'idée, c'est que tu menaces e4, tu menaces de manger le pion e4. Sauf que pour l'instant, le danger, c'est que si tu manges le pion e4, lui il fait tour e1 et il aligne, il fait une enfilade entre ta dame et ton roi. Moi, mmh, ouais, ça, c'est pas bon ça. Donc, pour éviter ça, il faut peut-être que tu joues d'abord un autre coup pour essayer de mettre ton roi à l'abri rapidement. Pour l'instant, il y a rien à attaquer puisque c'est plutôt toi qui as, la... qu as... Qu as la dame dans la bonne dans la bonne zone. Ah, c'est cavalier f6. Alors, cavalier f6, il faut que tu regardes, tu fasses attention quand même. Il y a un fou qui traîne. Non mais il y a quand même un pion là qui traîne. Il un pion, si, après, il... Il avance. si après il avance. Bah, il faut que tu. Je... Encore une fois, je dis pas que, que tu peux pas le faire. Je dis juste que voilà, il faut que tu analyses le fait. Est-ce que si tu pousses, est-ce que ça t'emmerde Toujours réfléchir un coup de plus. Je sais que c'est pas facile. Euh... non, non, mais. Ouais je sais pas après est-ce que si je prends sa place c'est dérangeant Si je viens là après avec le cavalier enfin, c'est pareil, il menace quand même de toujours mettre sa tour ici et... Bah ben, ça fait ça fait beaucoup de si en fait alors que tu peux très bien développer ton cavalier sur une autre case qui peut pas être attaquée. Euh, bon je n'ai pas 36, hein. de toute façon j'ai ça, ça ou ça. Hein. Donc euh... Bah, en sachant qu'il voilà, y en a Si c'est pas celle-là, euh, j'imagine que ça doit être celle-là, celle qui est devant le roi. Bah, je pense que c'est la, la mûre. en tout cas. Euh, le côté voilà, c'est pourri et puis elle est en face du fou là-bas. C'est ça. Bah, soit, soit tu fais ça, soit tu, soit tu fais un coup de. Ou, ou alors tu remenaces, tu remenaces les, les blancs. C'est la possibilité. Parce que là je t'ai proposé un coup de développement. Tu peux aussi essayer de remenacer parce que maintenant il y, y a le pion H2 qui est faible chez les chez les blancs. Ça peut être une autre manière de voir les choses. Le pion H2 ici. Bah, disons que, regarde, ta, en jouant ta dame, tu as attaqué le pion F2 avec ton fou et ta dame. Sauf que le pion F2, maintenant, il est défendu par, la, par le roi et la tour. Donc, maintenant, oui. le pion faible, maintenant qu'il a roqué, c'est le pion H2. Que tu attaques déjà avec ta dame. Donc, si tu le rattaques, tu menaces de battre en un coup. Donc, il va falloir qu'il réagisse. Je te dis pas que c'est ce qu'il faut que tu fasses, mais c'est ouais. une des possibilités. Soit tu joues le coup, le coup cavalier E7 tranquille et tu développes ton cavalier, tu prépares ton petit roc. Et tu attaqueras plus tard. Soit c'est le fou qui recule ici. Voilà, là. en sachant que la, la concession de faire fou ici, c'est que ok, ça fait une menace directe, mais tu bloques ton pion d. Ouais, et puis il va quand même pousser, derrière, hein, si on fait ça, non. Bref, non, remarque, non, non, parce qu'il perd. Peut juste, il peut pas pousser, ouais. Il pourra pas pousser, mais pour... par contre, il pourra pousser d'autres pions. Donc ça peut, ça peut forcer, ça peut être un peu ouais. embêtant pour toi. Je non vais partir que sur cavalier. Goût... Ouais, je pense que c'est le meilleur choix. Cavalier. Ah, ah, ouais. Donc là, il va peut-être faire g3 pour te chasser la dame. Bah. Ah oui. Bref, là, il n'y a plus le. S'il fait G3, on mange le pion, non S'il fait ça, on... on mange ici. Même si après, il revient avec la tour, bon, on, on peut partir maintenant, il n'y a plus, y a plus le... la menace, là. Et surtout que tu menaces son fou, si derrière. Et en plus, on menace, oui ce que j'allais le dire, j'étais en train de le voir derrière, on menace quand même le fou. Oh, ouais, je pense que tu as bien analysé. Mais tu vois, il fallait. C'est pour ça que Cavalier 7, ça a aussi cette importance-là. C'est que ça se met devant ton roi et ça protège ton roi d'une certaine manière et mm. ça te protège de l'enfilade. Oui. Une bonne idée. Donc là, il peut et en sachant qu'il peut pas faire tout. Actuellement, il peut pas jouer tour 1 parce que s'il fait tour 1 tout de suite, en fait, t'as dame prend f2 ou t'as même fou prend f2 qui est encore plus fort en l'occurrence. Qui fait échec et ouais, qui menace de ouais, il fait échec à la fourchette. ouais. Donc ça veut dire que là, il va être, il est quasiment obligé de jouer g3. Mais g3 c'est problématique pour lui, donc il va sans doute jouer cavalier c3 pour protéger son pion. Soit il joue cavalier c3, soit il met son fou en d3. Cavalier. Moi, ça passe, je jouerais quand jouerai ici, pour venir protéger le pion ici. Voilà. Ou alors Dame F3. Je dirais Dame F3, c'est peut-être un coup intéressant, parce que ça remenace... Ça, ça... Ouais, je pense que c'est Dame F3 le meilleur coup pour lui. Dame F3, ici, <laughs> pour parce que ça menace, ça menace F7 aussi. Et ça menace ici. Mais bon, mais tu feras petit rock tranquille, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je pense que pour lui, c'est les deux options. C'est Cavalier C3, c'est oh. le coup tranquille. Et pourquoi ça Ah oui, ok. Oh, mais attends, mais ça marche pas, ça. Attends, pourquoi il a fait ça, là Hein Alors là, je comprends pas, par contre. Ah, là, je suis obligé de manger avec le roi, j'ai pas le choix. Hein. Ah oui, mais là... je, Bah ouais, ouais, parce que je vois pas d'autres menaces, donc vas-y. Bah, et je peux plus roquer, quoi, mais... Non euh... C'est pas grave, tu vas faire passer la tour derrière, mais je pense qu'il a, il a, il a peut-être vu dame f3, mais dame f3, ça fait rien. Ici Dame f3 bah je pense parce que si je vois pas ce que c'est son idée là, je... ouais voilà d'avef 3 mais là bah comment tu défends là du coup Alors là, il faut que tu réfléchisses parce que tu as il n'y a pas de, de risque en soi, si tu joues un coup, il y a pas de risque mais il faut que tu te trompes pas. En sachant que tu pourras plus roquer maintenant. Ça ouais. faut que tu bien. Donc du coup, l'idée de revenir en E8, ça n'a aucun sens. E8 ça n'a pas de sens de, 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 de revenir en E8 avec ton roi parce que t'es en échec là donc faut que tu fasses quelque chose. Mais roi e 8 c'est pas une option quoi. Euh, je ouais. réfléchis, il euh, y a dame ici, dame F, euh, F6. Ouais, en, en vrai c'est pas si mal son coup en fait, je viens de calculer des trucs et je viens de comprendre pourquoi il a joué ça. Ouais c'est un peu, Ce qu'il a fait c'est pas con en fait, c'est un peu dangereux. Et peut-être que roi e 8 finalement c'est le seul coup en fait. Alors ça va être compliqué de t'expliquer pourquoi, parce que mais euh... en fait... Alors, je, je vais essayer d'illustrer pour que tu pour que essayes de, de pour te mettre sur la voie, toujours pareil. L'idée, c'est que là, lui, je ne je sais pas s'il est allé au bout de l'idée, mais son idée, c'est de... Il as une pièce qui n'est pas protégée sur les chiquets. Enfin, une qui est développée, qui n'est pas protégée. J'en ai, ai pas plus qu'une. Ouais voilà, mais, non, mais dire, il y en a une qui peut, être qui peut être attaquée par lui, c'est ça que je veux dire, je me suis mal exprimé. Il y en a une qui est pas protégée, qui peut être, qui peut être attaquée par lui, potentiellement. Il faut que tu la vois déjà, cette pièce. C'est important. Fou. Voilà, donc allume le fou là. voilà. Sa cible c'est le fou. En gros, il a sacrifié un fou. Donc lui, s'il récupère ton fou, il est bien. C'est-à-dire il régalise. D'accord ouais. Donc maintenant, analyse si tu mets ta dame en F6. Parce qu'à à, l'origine, c'était le coup que je pensais. C'est le coup que tu as proposé pour protéger. C'est le coup que j'analysais en fait qui me paraissait être le meilleur coup. Mais en fait, c'est peut-être pas si bon que ça. Quel est le coup suivant pour les blancs Qui pourrait perdre ton fou Eh ben c'est je... dame ici. Ouais. Parce que là, du coup, je suis, je suis menacé là et je suis non, menacé non. là. Hein? Alors, c'est pas ça, parce que ça, c'est pas un échec. Là, là tu échanges des dames et c'est fini. Là, il n'y a pas d'échec. S'il fait, si fait dame, c'est 3, il n'y a pas échec, Donc, toi, tu fais dame, prend dame ouais. et voilà. T'as compris l'idée, en fait, mais c'est pas ça. c'est pas ce coup-là. Mais tu compris l'idée. Moi, je fais ça. Je pense que c'est la géométrie, les échecs. Hein. C'est juste de la géométrie. Dans ce cas-là. Il, il fait fou. ça, il... la dame ici, comme ça il met échec au roi encore là. Il met échec au roi et il attaque quoi d'autre du coup Et il attaque le fou ici, ouais. Voilà, et le fou est pas protégé. Et le problème c'est que là euh, tu peux pas défendre le roi et défendre le fou. Non ouais, clairement. Bon. Donc ça, ça veut dire que sa menace en réalité c'est de faire ça. Donc ça veut dire que le coup que moi j'allais te, te, te faire te proposer, bon tu l'as proposé tout seul, c'était f 6 mais f 6 c'est pas bon. Ça repère le fou. Donc du coup, cette option là il faut l'oublier. Donc, Donc maintenant. 8. Donc maintenant, euh, voilà. Alors, le... t'as roi e8 qui peut être envisagé, et je pense que c'est le seul coup parce que le problème de roi g8, l'embêtant de roi g8, c'est que ça te bloque la tour complètement et c'est pas top top quoi. Donc je pense et que roi e8. U8... Et monter le roi, c'est très dangereux. Ouais. Et puis bon, et puis rapidement, il peut faire dangereux. des choses. C'est trop dangereux. Donc vaut mieux que tu recules ton roi. En sachant que pour l'instant il y a pas de problème, t'as gagné un fou, t'es à plus 2, euh, on est bien quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah c'est intéressant. Tu vois, finalement, j on n'avait pas du tout anticipé ça. Moi non plus, non, non mais j'avais pas anticipé du coup. Parce que je suis moi j'ai dans ma tête, j'avais calculé Dame F ça me paraissait bon. Et c'est après que j'ai vu le triangle. En fait, l'idée, c'est ce qui est intéressant, c'est que là, on a vu un schéma en triangle euh, qui permet de. En fait, en gros, tu as, as calculé un truc qui te permet de, de défendre, en fait, parce qu'on ne calcule pas toujours des trucs qui permettent d'attaquer. On calcule okay. des fois, des trucs qui permettent Il a monté le fou ici. Voilà, ben, forcément, ben, il développe des pièces et il profite du fait que ta tour est un peu, ton roi est un peu, un peu allé au courant d'air. On peut menacer sa tour aussi, là. Donc ça c'est une première idée. C'est une, une idée qui est intéressante. En sachant que alors c'est une idée intéressante, mais est-ce que c'est vraiment l'idée principale, tu vois? Parce que tu as menacé sa tour, mais toi l'idée ça va quand même être d'essayer de faire ce qu'on appelle un, un rock, euh, un, appelle ça, un rock euh, artific, artificiel. Ouais, mais... ouais, ouais. On peut sortir tour pour clouer le fou là. Voilà, je pense que ça c'est une meilleure idée. Bah clouer le fou et attaquer, et attaquer le fou. Et tu attaques le fou en fait, l'attaque Et en plus on le menace que derrière si. si, si... On peut prendre la dame s'il va, enfin, il va se passer des choses voilà. là. Et si jamais, et si jamais euh, il, il fait un coup un peu un peu neutre, tu vas peut-être pouvoir monter ta tour d'une case et après tu feras passer le roi derrière et le met, tu mettras le roi dans le coin par exemple. Ouais ouais ouais. Donc ça, ça me paraît plus intéressant et, et ça t'empêchera pas au coup d'après d'attaquer la tour avec ton fou. T'as vu deux coups potentiels, tu peux très bien les jouer après toi. Ouais. Donc je pense que tour tour f8 ça me paraît tour intéressant. F8. Mais la partie va être plus compliquée que prévu, même si t'as l'avantage matériel. Ah, et... le ouais, c'est logique. Il protège, mmh. c'est logique. Il protège le, le fou, il t'attaque la dame. Donc là, il faut bouger la dame. Ouais, là, il vaut mieux. Euh, mais c'est pas grave. Parce que là, la, pas, la dame, j'ai pas beaucoup de cases. Hein. Ouais, mais t'en as une qui est bien, quoi. Alors. Euh... De toute façon, en, as, en réalité, t'en as que t'as deux cases ici, possibles. Et as une ici, c'est niet. Ici, c'est niet. celles là, elles sont pas bonnes. On peut revenir ici. Mais on se met devant la tour, est-ce que c'est bien ou pas, je ne sais pas. Mais il y a quand même une menace derrière ici. Voilà, tu menaces exactement B2 et surtout, je te rappelle que sa dame est toujours clouée quand même. Sa dame n'est pas protégée. Donc si tu attaques ensuite son fou, euh, bah, le fou ne peut pas bouger. Puisqu'il est toujours cloué en fait. Même si la dame est, de est devant la tour, c'est pas grave parce que ta dame va quand même attaquer sa, sa dame. Ou hein. pas, tu dis ça, c'est une bonne case. Hein. Bah elle t'attaque deux choses en fait. Tu menaces non, non, non. en fait. Est-ce que tu vois la menace en fait potentielle pour gagner le fou, d'ailleurs en revenant ici derrière si, si tu mets la dame en F6, est-ce qu'après tu vois la menace pour manger le fou euh... Euh... En sachant que le fou ne peut pas bouger parce qu'il est cloué. Coup très simple. Le... Celui-là qui redescend euh, Ça, c'est une des possibilités, mais il y a encore plus direct que ça. Direct, plus, direct, plus un coup, direct. Un coup d'attaque encore plus fort que ça. Cavalier ici non, mais tu, toi, tu, tu vois que les cavaliers, les, les... oublie les. Il n'y a, <laughs> a pas que les pièces. Aussi les, les... Il y a autre chose que les pièces. Euh, oui mais je veux, euh, Les pions Bah ouais. Ah, mais j'ai pas envie de, de, de. On sacrifie la structure Bah ça peut être une idée. Alors après, c'est dangereux parce qu'il aura quand même Dame Échec. Ah oui, alors attends, par contre, euh, j'avais oublié un détail là quand même dans la position. Ah oui, putain, il y, y a quand même un problème là. Et si on arrive ici, c'est le Dame Échec qui te pose problème il y a toujours le Dame-Échec en fait, qui menace de regagner le Fou, en fait. On l'a oublié, ça, mais il existe toujours, donc ça veut dire que tu et peux vrai. pas venir en F6, en fait. Donc tu peux pas revenir en F6 tout de suite, donc, euh, donc du coup, il te reste l'autre case. Euh... Pour empêcher l'Échec, du coup. Pour l'instant, tu es obligé d'empêcher l'Échec. Il y avait ouais. que deux cases possibles pour la Dame, et il y en a une qui, du coup, on a oublié qu'il y avait la, le Dame-Échec qui gagne le Fou. Donc, en fait, euh, tu es obligé d'aller sur l'autre case qui contrôle la case de l'Échec. Ici si Ben bah, ouais. En sachant qu'il n'a pas de fou de case blanche donc il peut pas te chasser la dame. Et toi tu menaces toujours d'aller quand même gratter son fou parce que là pour l'instant il est la four... le, le, donc, le dame, fou. De... dame H3. Bah, ça contrôle la case H5 qui est la menace réelle en fait de la position. C'est pas évident, hein. la position est loin d'être ça mais il faut non, arriver non, à Est-ce est qu'il a vu la menace de l'échec Je suis pas sûr, mais je pense quand même que... Je présume qu'il l'a vu quand même. Bon, je je suis pas, vu ce qu'il a joué là quand même, c'est possible. Il hein. ouais, faut quand même se méfier parce que là il a quand même joué des bons coups. Bon t'as toujours l'avantage matériel. On commence, à se rapprocher dans le... on commence à se rapprocher des 10 minutes, donc il faut quand même faire attention. Mais bon, pour l'instant on est pas mal. Parce que t'as quand même es toujours à plus 2. On va voir ce qu'il va jouer là. Donc là, si j'étais à sa place. On toujours je... ça. Il peut se jouer moi après, mais... à sa place, je bougerais ma dame pour me déclouer. Donc ouais. je jouerais peut-être dame. Moi je jouerais dame c3 pour attaquer ton fou et le pion. Ici. De l'autre côté. Et ici. Ouais, moi je jouerais dame c3. C'était le meilleur coup, je pense, pour lui. mais Non. Ouais. bon mais ben là euh, Voilà donc là c'est très bien pour toi. Donc là je pense qu'il faut que tu fasses un choix. Donc soit on échange les dames. C'est ça Voilà. Et je pense que ça peut être judicieux vu que t'es à plus 2, t'as une pièce d'avance. Donc plus. Après, tu vas sinon, les... ça va dire ça veut dire reculer. Bah euh... ben, reculer et en plus euh, Là lui il attaque ton pion en C7 là. Actuellement. Tu l'as peut-être pas vu depuis tout à l'heure, mais avec son fou, il attaque son pion C7. Et que, vu qu'il est plus cloué, potentiellement, il peut aller le manger. Okay. Si tu recules la dame gentiment, tu vois, si tu recules la dame gentiment, il va juste faire ça. Donc, tu euh, t'as pas de raison. Alors après, tu as une autre possibilité aussi derrière dans la position. Oui, as une autre possibilité. Comment tu peux défendre C7 et, et sans manger la dame T'as as, as un coup qui est intéressant. Je monte le pion ici, D6. Ouais, exactement. Comme coup, ça me protège, protège la, la diagonale et je protège ma dame voilà. avec le fou. Je trouve que c'est pas mal, moi ça me plaît bien ce coup là. S'il si pousse le pion, euh, si pion bah, c'est pas grave parce que tu peux ne rien faire. Moi ça me paraît pas mal, ça permet de développer le fou. On y va, pour le beau jeu. Je suis pas sûr sur le meilleur coup, ouais, mais bon. S'il échange les dames, c'est tout bénéf pour toi, ça fait rentrer ton fou dans, de, son, de son côté à lui. Oui. Et au pire, le coup d'après, tu pourras toujours échanger d'âme. Tu vois, tu peux... là, là es dans une position où tu peux échanger d'âme quand tu veux, en fait. Je pense que l'échange de dame était bon aussi, parce qu'encore une fois, tu as l'avantage matériel, donc il euh... y a pas de problème en soi, en fait. Mais bon, Mais j'aime bien, je le... suis content que tu l'aies vu ce coup-là parce que c'est, c'était une autre option. En sachant qu'il a un peu de retard de développement. Tu vois, voilà, il c'est 3 Cavalier, cavalier C3. Donc ça c'est très bien pour toi. Donc là maintenant il faut. Euh... Donc là tu peux envisager d'essayer d'aller mettre ton roi à l'abri, tu vois. Ça peut être une première option. Alors soit pour moi il y, y a plusieurs options. C'est soit tu d'aller mettre ton roi à l'abri tout de suite, en faisant un chic chak euh, roi f7 roi g8. Ça c'est une première option. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire encore une fois, mais c'est une première option en sachant qu'il n'a pas de, de foot de case blanche et sa dame ne peut pas aller faire d'échec pour l'instant. Donc ça c'est la première idée. Deuxième idée c'est de, de développer une pièce, euh, par exemple développer ton fou de case, noire, tu vois, de, de case blanche pardon, que tu as sorti, de le développer un petit peu en sachant qu'il faut quand même qu'il reste en contact de la dame, hein, parce que sinon tu perds ta dame. Oui. Tu peux aussi échanger les dames. Le fou, le seul, le seul coup, c'est ici, je pense. Échange les dames, t'as une pièce d'avance. Ouais, Eddie conseille d'échanger les dames aussi. Oui, je pense que l'échange de dames, pour moi, ça me paraît le mieux. Mais je voulais voir s'il n'y avait pas autre chose. Moi, je pense que l'échange de dames, c'est sûr que c'est forcément à ton avantage, mais mais après, euh, voilà, c'est c'est toi qui vois en fait. Moi, je, moi, j'avoue que l'échange de dames est pas urgent, mais tu peux le faire aussi. Euh, par contre, jouer le fou là, c'est pas trop envisagé parce que, enfin, en vrai, tu parce peux le jouer aussi. Mais après, il va faire ça, c'est ça. Bah, je pense qu'il vaut mieux, faut faire attention à la, à la diagonale quand même, euh, ou la damer en fait, la diagonale qui va sur ta tour tout en bas, faut faire attention. Tu peux aussi, euh, une autre option c'est de jouer ta tour en fait, qui est un peu en danger euh, potentiel, et attaquer quelque chose. Mais tu peux changer ta main, hein. après c'est toi qui Il faut que tu joues. Encore une fois, je pense que tous les coups sont jouables, donc joue le coup qui te paraît intéressant. c'est encore toi qui joue la partie en l'occurrence, donc si tu préfères sortir le fou, sur le fou. L'idée c'est que c'est toi qui joues la partie, donc euh, joue ton instinct, c'est truc qui reste 11 minutes, donc il euh, faut commencer à jouer un peu. Je pense dans tous les cas, t'es quand même mieux, donc euh, si tu penses que sortir le fou, c'est bien, vas-y. Euh... Je, que... je pense pas que ce soit une faute de jouer le fou, ouais, mais il faut juste que tu restes en contact avec la dame. Non, mais on va prendre... donc je vais dame prendre dame. Vas-y. Il est obligé de reprendre avec le roi. Ouais, là, il a pas le choix. Bon, du Donc coup, là, tu, de... peux calculer, tu peux déjà calculer le coup, Attends, coup son suivant. Mon roi, il est ici. Hein. Ouais, calcule le coup suivant, du coup. Mon roi, il est ici. Bon. Maintenant. Euh, maintenant qu'on a fait ça. Je peux faire. Je peux sortir le fou ici aussi. Hein. C'est une option, tu peux attaquer la tour, oui. Si c'est bien ou pas, mais. Je pas ah, trop voir euh, comment, euh, comment jouer ça là, la dame de ce côté ici. Euh... Non, mais là est maintenant il y a, la, eh, là, là, la, y a plus, la tour. Il y a plus les dames adverses donc je dirais que là c'est moins c'est moins c'est moins grave d'avoir le roi un peu au centre. Ce qu'il faut que tu actives surtout c'est la tour qui est pas qui est pas activée, c'est là là tu es dans une position en gros, il faut que tu actives tes pièces en faisant des menaces. Donc euh, toutes les menaces que tu vas faire, de toute façon, ça va lui permettre de il va falloir qu'il réponde. Donc, est-ce que le fou est sur une bonne diagonale de le mettre en, en, en A3, en A6, ça c'est à toi de voir, mais tu attaques la tour donc il va être obligé de bouger la tour. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur coup possiblement Est-ce que ton fou serait pas meilleur sur le, la diagonale où il est actuellement Je sais pas trop en fait, ça c'est à toi de voir. Tu vois, mais il faut que tu joues des coups, tu vas être obligé. Tu peux aussi. Ah euh... là, voilà, ici Disons que si tu B7. joues fou, à... fou B7, c'est une autre option de se mettre sur cette diagonale là. Tu peux aussi te mettre en D7, l'idée c'est que si tu joues fou à 6 ok ça fait une menace sur la tour, mais la tour elle va forcément bouger tu vois et du mmh. coup est-ce que, est que tu vas pas l'aider au final parce qu'il va, il va bouger quand même et du coup il va se mettre sur une colonne intéressante pour lui peut-être. Alors que si tu joues un autre coup en menaçant quelque chose, peut-être qu'il va devoir défendre déjà. Moi je sais quel coup je jouerai dans cette position. Et c'est pas fou à 6 <laughs> C'est pas fou à 6 pour, pour moi il y a une pièce qui joue pas pour l'instant, Il faut la faire jouer en fait. Et tu un moyen de faire un coup simple en fait qui, qui attaque quelque chose d'adverse, il va devoir répondre en face. Euh... Ça Non, non, tu as une pièce qui joue pas, ça c'est pas une pièce, c'est un pion. Ah. Une pièce qui joue pas, bah, j'ai 7 tours qui ne jouent pas là. De euh, oui. Et pourquoi tu l'actives pas en fait Parce que là c'est rien, elle, 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 tape sur, elle est sur son pion. Donc elle ne sert à rien Si tu la mets sur la, sur la colonne B, en fait, elle, elle déjà elle est sur une colonne semi-ouverte, elle tape sur le pion B2. Ouais, euh... j'ai du mal à voir l'impact en fait, réel de ça tu vois typiquement bah, en fait... là ok j'ai toute cette diagonale là mais on bah, est, est d'accord que je ah si je, si, je menace d'aller prendre le pion directement bah oui et puis l'impact c'est surtout que en fait le truc bah, si, c'est surtout euh... derrière il y a ouais. ça tu reviens ici là ouais, tu peux... non mais l'intérêt de ce coup là c'est que tu lui poses une question en fait lui il va devoir ouais, répondre ouais. il va devoir défendre ouais. voilà là il a, il a défendu ça mais a du défendu. coup en se, défend... en se défendant il a peut-être affaibli un peu ses cases Là, déjà, dans la position Est-ce que, que ça, tu ça se joue du coup pour clouer ouais. cavalier-tour euh... Eh ben, bah, oui, ça me paraît intéressant, ça me donne de gagner une pièce. Hein. Accessoirement. Parce que là, regarde, s'il bouge son cavalier, tu bouges la tour. Donc là, le seul coup, son seul coup de défense, c'est de jouer fou des deux. De revenir ici. C'est son seul coup de défense. Ouais, ah, mais là, il ouvre euh, la colonne. Euh... Ouais, non. Ah oui, on... Ben non mais en fait t'as pas tout analysé jusqu'au bout en fait Mais là t es, t es, là en fait euh, malgré toi en fait t'as joué une, une super side coups en fait <laughs> Malgré toi <laughs> mais re, re, Non mais re, regarde l'idée c'est que c'est que là et je regarde, regarde son, son coup de... non, mais regarde son seul coup de défense c'est fou d deux. Donc ça veut dire que si le fou s'en va il se passe quoi D2 on a dit ah, Moi je dis c'est qu -ce qu -ce que, que cette colonne est ouverte Voilà bah ben, du coup maintenant je te rappelle qu'il y a un coup de pied Donc et la colonne est ouverte et le pion F2 est protégé par quoi et le pion F2, il est protégé par la tour. Voilà, donc du coup, est-ce que tu peux pas la chasser la tour avec un coup que tu veux faire depuis longtemps et que ça tu fait. fais pas Parce que depuis tout de à l'heure, je te dis que c'est pas top top comme coup, mais il y a pas un coup que tu peux faire depuis tout à l'heure pour attaquer celui-là, celui -là, là. qu'on voulait faire depuis tout à l'heure. Oui, mais que ça te paraît bon là, de le jouer ah, Pas mal. Tu, tu vois un peu l'idée, c'est que tu as, 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 as joué tour, tu as attaqué B2. Du coup, lui, l'enchaînement, c'est que tu as attaqué B2 en jouant ta tour sur une colonne semi-ouverte. Donc, ça veut dire que tu as activé ta tour. Lui, il a joué B2, c'était pas son seul coup de défense, mais c'était un de ses plus mauvais coups de défense. Du coup, tu as joué ton fou, tu attaqué son cavalier. Il est obligé de défendre avec son fou. Donc, son fou, là, en D2, il ne sert à rien. En, en, en jouant ça, il t'a ouvert la colonne F. La colonne F, tu tapes déjà avec ton fou et ta tour sur F2. Donc, ça veut dire que maintenant, tu vas jouer ton fou. En assise comme tu voulais faire, tu vas chasser sa tour, et tu menaces de faire tour prend F2 quand même. Hein. Oui. Et ça fait un putain d'enchaînement euh, qui, qui va être compliqué pour lui à défendre. Et en fait, il peut pas défendre autrement en plus, parce qu'il peut pas mettre son cavalier pour défendre, pour se mettre au milieu, donc il va être obligé de bouger la tour, hein. Ou d'accepter de perdre la qualité. Et toi derrière, tu, tu menaces de faire tour pion. Et en plus derrière, tu attaques le, le son fou, tu vois, enfin c'est... Alors il peut défendre hein, parce qu'il peut jouer quand même tour euh, tour D1. Mais là il a il a quand même un sérieux problème. Donc tu vois la différence en fait en activant ta tour. Alors j'avais pas tout calculé hein, honnêtement. J'avais pas tout calculé du tout, c'est juste que j'avais pas pensé qu'il jouerait B3 en vrai. Et après c'est toi qui as trouvé le coup de fou, tu vois qui était bien, qui a le cavalier et la tour. Bon 7 minutes, ça je commence à repérer quand les pièces sont alignées. Mais c'est bien, mais ça c'est important parce que mais le truc c'est qu'il faut que tu arrives à voir. En fait, ce que tu n'arrives pas à bien voir encore, c'est les batteries de pièces. C'est-à-dire les, les... quand tu as deux pièces en fait qui tapent la même cible, ça tu n'arrives pas à bien à le voir encore. Mais ça viendra. Ouais, les répercussions aussi. Et les... Tu sais, quand tu mets une pièce d'un côté, et voir vraiment le rayonnement que ça peut. Enfin, faire, l'effet pavillon quoi, tu vois. Les typiques, ouais, est... Après les... si j'ai mis ça là, il va se faire ça et. Enfin, c'est la... la répercussion quoi. Bah, la répercussion c'est du calcul, mais ça je suis d'accord, c'est dur. Par contre, ce qui n'est pas dur, c'est de voir le. ce qui est pas dur. Est... Euh, il a bougé tour, il a bougé tour. Voilà, donc là déjà il va perdre une pièce. On peut prendre pion prend F2. Il va perdre une pièce puis il va perdre la deuxième et tu as tout il va tout perdre là. Et euh... ah oui parce qu'il va être obligé de bouger tour après. Non non mais là déjà tu vas faire échec, donc déjà il va devoir bouger le roi déjà pour commencer et son fou est en l'air. Hein. Donc déjà tu vas gratter le fou. Euh, il lui reste quoi Il lui reste ça, ça et ça ici. Hein. Ouais. En sachant que sachant si. Sachant que t'as dit qu'il fallait pas monter, ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'il aille derrière ou. Ah, s'il monte, c'est un peu dangereux parce que s'il monte. S'il monte, peux... ouais, on peut prendre le fou et on lui remet échec par découverte de la tour. S'il descend, tu veux dire du coup Parce que là, t'as dit s'il monte, mais. Ah oui, parce que là, tu considères qu'il descend. Oui, voilà. Moi, je considère que là, il a monté en fait. Il est monté lui. Ah oui, moi non. <laughs> moi, Donc il là, est descendu en fait... vers moi. Pas de problème, non mais là c'est juste un, un défaut de langage entre nous deux. Mais Alors là, regarde, donc là, on est d'accord que tu peux manger le fou, mais est-ce que tu peux pas faire autre chose Réfléchir. Réfléchir. De mieux que ça, de mieux que ça, mieux que ça. Mieux que manger tous les cas, le fou. Tu peux manger le fou, mais il a, il a mis son roi sur une, sur une diagonale. Bah, en fait, tu peux manger le fou tout simplement. Hein. Ça ça marche, c'est sûr. Hein. Parce que ça menace aussi ah, d'aller manger peux le ramener cavalier. Ramener celui-là ici pour le remettre échec. Ouais, je sais pas si c'est le meilleur coup en vérité, parce que je pense que c'est un échec. Le problème, c'est que je vois pas trop la suite en fait. Et, et en vrai, déjà là, il a un sérieux problème parce que. Bah, tu vas manger... La suite, c'est qu'il est obligé de bouger là. Hein. Il n'y a pas le choix. Bah, enfin, non, non, il peut bouger pion. Il peut monter le pion. Ah, aussi. Il peut monter le pion aussi. Mais en vrai, si tu manges le fou, tu remenaces ton cavalier derrière, et c'est déjà problématique pour lui aussi. Donc, je sais pas, c'est quoi qui vois, mais je pense que déjà la, Moi, je la menace. Manger, elle... là, hein. là, je ouais, mange, ben, mange, 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 vu le temps qu'il reste. Avec la en tour, manger. hein. Ouais, mange, mange. Ah oui, bah, de toute façon, tu peux manger quand même la tour. Ouais, D'accord. parce qu'après, il y a quand même la menace encore derrière de ça, puis de ça. Ouais, en sachant que euh, là, il peut faire tour AD1. Mais tour AD1, ça, ça suffit pas, en fait. Mais c'est sans doute son seul coup. Pour, pas... pour essayer de sauver le cavalier, parce que tu peux encore faire une boulette, toi. Mais ça il suffira fait pas. ça bah, de toute façon, son ouais, cavalier est en l'air. C'est pas ouf, hein, ça, quand même. Ouais, je, sais, je sais, mais le problème, c'est que... que je vois pas. Bah tout. Ouais, mais là, si on mange euh, derrière, euh, s'il ouais, si, hein. si remange, on va, le, on va le manger et puis on remenace encore. Hein. Ouais, je sais, je sais, mais c'était son seul coup, en fait. Sinon, tu mangeais la tour. Donc, okay. là, il, il a tenté ça, en fait. Mais, ça... mais vas-y, là, tu te. Là, là, on prend faire. fou, prend cavalier, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais. Ouais, tu reprotèges ta tour derrière. En, en fait, fait si... le risque. Là... En fait, je t'explique pourquoi il a joué tour D1, c'est que si jamais tu te trompes et que tu fais tour, prend tour, lui, il fait cavalier, prend tour. Ah oui, oui. C'est bah oui, son seul coup de défense, en fait, de, 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 de tenter ça. Mais toi, tu l'as vu, donc tu fais fou, prends. Non, t'ai tu as tout compris. Je joue simple, mange. Non mais, ça, il raison, il rendu, là, non, mais il a raison. Non, mais il a raison, il faut manger. Bon, après, 5 minutes, ça peut suffire pour gagner, mais c'est sûr qu'il ne faut pas que tu tentes trop. Mais bon, tu as trop de matériel, là, tu vas gagner. Il faut juste que tu ne tentes pas trop et que tu mettes son roi dans un réseau de maths, c'est tout. Euh, Est-ce qu'on peut pré euh, mon fou qui mange main à tour non, ben Là, tu peux, oui. Il faut où. que tu fasses, d'ailleurs. Ouais fais-le. Fais fais. ouais, Comme je t'ai dit, les, les prises, c'est les seuls coups que tu peux pré-shot parce que, parce que si joue un autre coup, de toute façon, c'est pas grave parce que le coup sera, sera un coup illégal. J'imagine il qu'après, mais en plus ce qui est horrible là, c'est qu'on fait ça, il mange, mais derrière on a juste à bouger pour mettre échec. Et euh... T'as et... plus ta tour là, haut Ah ouais, de oui, façon, mais ouais. par, contre, euh, non. par contre, ça a bougé. Ouais, ouais j'ai rien dit, j'ai rien dit. Donc là, 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 tu, tu fais attention. Il Faut que ton fou est attaqué et euh, donc là tu, tu bouges ton fou euh, où tu veux, mais tu le bouges vite. Tu passes pas deux heures à réfléchir. Mets-toi sur une bonne diagonale, peut-être. Mais euh, là, il faut que tu voilà. Il bouge ton, bouge ton fou. Euh, j'ai 6 non, j'ai 5 g5. g5 g5. Si tu veux, mais vas-y, il faut que tu bouges. Bouge le vite perds pas une minute là-dessus. Ça g 5. Voilà, là, on va juste on va voir se voir. rapprocher du roi et potentiellement lui dire tu ouais. viens pas là. Et toi maintenant tu vas activer tes pièces. Donc l'idée c'est d'aller activer ta deuxième tour. Commence à réfléchir à les coups que tu vas pouvoir jouer. Parce que là lui il va sans doute jouer C4. Euh, tour B5 derrière Non parce qu'il va jouer C4 je pense. Donc tu pourras pas jouer b tour B5. C4 Si, j... okay. si jamais ah ouais, il joue. Okay. Voilà, ouais, c'est ce qu'il a joué. Donc là, euh... là, là il menace. Tu D5 là ou pas Bah il faut que tu calcules. Puis on prend, puis on prend, puis on prend. Non, par contre, tu peux le préparer. Tu peux mettre peut-être ta tour derrière pour peut-être le pousser. Un jour. Ouais, mais si je me fais tour derrière, euh, lui, il avance. Et si je prends, on découvre les tours. Tu peux ouais. aussi décider de déplacer ton roi pour, euh, pour le mettre soit au centre et du coup te, pouvoir ensuite activer ta tour. Donc tu peux peut-être faire euh, roi D7, par exemple. C'est une idée. D7 ici. Soit ça, soit tu soit tu décales Mais là, ton je roi. Suis derrière pour... le pion, donc derrière s'il vient, je peux plus prendre. Ou alors tu décales ton roi vers la gauche pour le foutre à l'abri, ensuite tu mets ta tour sur la colonne F et après tu pourras, tu pourras activer des choses. C'est toi qui vois, tu as plusieurs choix, faut juste que tu perds pas trop de temps là. Roi donc, soit. Tu... Euh, F7 bah, soit... Roi F7. Ouais, tu peux faire roi F7, ensuite tu le mettras en G8 ou tu le montreras euh, au pion, on s'en fout. Mais vas-y, il faut, faut que tu fasses quelque chose parce que là, 4-8. C'est que... ouais, bien. Donc là, si il fait échec, faut déjà que tu calcules ce que tu fais. G8. Voilà. Faut que tu l'envisages que c'est ce qu'il ce que de faire. Et après il va pas descendre parce que... Ouais, il a bougé le roi. Oh, voilà, donc là il attaque ton fou. Attention. Donc là, bah bouge le fou, ou protège-le avec ton pionce comme tu veux, mais faut que tu fasses. Ah non, t'as mieux que ça là, putain t'as mieux que ça. <laughs> regarde les chiquets. Je regarde, je regarde, je regarde. Euh, je regarde, je regarde, je regarde. Je peux le mettre en éch... Éche... Ah non, c'est pas, le... pas mieux là. Non oh, t'as pas mieux, t'as pas mieux, t'as pas mieux, protège ton fou pardon, c'est moi qui ai... J'avais envisagé un coup mais tu peux pas le faire en fait. je donc je monte pion H6. Euh, tu peux faire ça. Ça protège le fou. Ça, ça, ça T'as pas l'air convaincu. Non mais parce que là il va jouer, il va jouer, à H4, il va jouer à H4, donc faudra que tu recules ton fou mais c'est pas C'est pas mauvais en soi. Non mon idée c'était de jouer fou E2 mais j'avais oublié qu'il y avait le pion en C4 en fait, c'est de faire une enfilade entre le tour et la roi, sauf que j'avais oublié le pion en C4. Du coup ça marchait pas. E euh, 2. Ici. Ouais, dit okay. Ah non, il a poussé le pion, ok. Donc là, il a poussé le pion. Ce qui est. Une menace de rentrer la tour. Donc là, il faut faire attention quand même. S'il mange le pion, toi tu vas remanger avec le pion, mais du coup, tu vois, euh, lui il va il va rentrer avec sa tour. Okay. Donc là, mmh. soit tu soit tu mets ta tour pour protéger derrière, ouais. soit. Je vais dire euh... tour des 8 Ouais, vas-y, moi je pense que c'est ce qu'il fallait faire euh, déjà tout à l'heure, mais vas-y, fais-le. Tour D8. Donc là, s'il si mange le pion, tu peux pré-shot que tu manges, remange avec le pion. Ici, si ce pion prend pion. Ouais, ça, tu peux pré-shot. Trois minutes, euh, ça devrait le faire, mais il ne faut pas tarder trop. Il faut arriver à bouffer sa tour rapidement pour être débarrassé et après. Euh, ou échanger les tours, tu vois. Ça, ça peut être une de tes cibles en finale. Quand vous avez du matériel comme ça d'avance, l'idée, ça peut être d'aller manger la pièce adverse, de faire juste un échange de tour, de tour contre tour. Du coup, après, il n'y aura plus de pièces et ça sera plus simple pour gagner. Voilà, ouais, Qu'est-ce maintenant... qu'il va faire hein bah Là, il va peut-être pousser. Du coup, je peux ouais, pas spécialement, mais... euh, Je peux pas spécialement ouais, mais... faire. Hein. Bah, tu peux pousser. S'il si, si pousse, tu pousses. Et tu vas aller faire une dame, toi. Non, s'il si pousse, il tu pousse, fais l'enfilade. Si rappelle... Non, pousse. Si s'il pousse, tu te rappelles qu'il y a l'enfilade, là, qu'on a vu juste avant. Qu'on pouvait pas jouer. Ouais, le, le, le... ouais, oui. Le fou ici. Voilà. Donc, l'idée, elle existe toujours. Il faut toujours la garder bien. en tête. De toute façon, les pièces, il faut toujours, faut toujours visualiser quand tu as le roi qui est en diagonale avec une pièce ou aligné avec une pièce, il faut toujours regarder les fourchettes, les trucs hein, virtuels. Ouais, ouais, la possibilité de, 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 de menacer les deux en permanence. Voilà, exactement. Ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit parce que c'est souvent. souvent va la perdre autant, était idée... hein, au courant hein, parce que là, Maté non, non, non. Euh, en 2,56, ah, euh, moi, bon, je ne suis, suis pas chaud. Ne hein. sois pas négatif, tu vas gagner. Ouais. Euh, <laughs> Déjà, regarde. Ce qu'il faut que tu calcules là, euh, arrête de colorer les pièces hein, et calcule juste s'il si joue H4, qu'est-ce que tu fais avec ton fou déjà D'avance. Il faut, faut que tu regardes les menaces en fait. Parce que toi, je te rappelle que là, s'il fait rien, toi tu peux pousser le pion D5. Il hein. n'y a rien qui t'en empêche. Donc s'il fait un coup de merde, entre guillemets, genre un coup à 3 ou une coup de tour pourri, s'il si joue H4, tu fais quoi avec ton fou C'est ça qu'il faut que tu regardes. Hmm. Bah J'ai pas 36 choix de toute façon. Hein, donc... Euh... Juste jouer en sécurité, hein. Je, je, juste à, à faire ça, à voilà, tu, peux là. Faire. tu peux juste faire fou f6. Au moins, il, il est de, il protège ton roi, il est protégé par le pion, pas de problème. Mais tu vois, c'est en fait en, comme ça. Quand il reste pas beaucoup de temps à la pendule, il faut surtout pas que tu perdes du temps à réfléchir sur des coups aussi simples que ça. C'est là où tu vas parce que tu vois là, il y a pas de difficulté en fait. Il, il te, voilà, là, il a poussé le pion donc là, bah, tu sais ce que tu fais, tu bah, pas, tu fais... Bah, des secs. La... non, 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 ah non, la fourchette, on l'a dit, on l'a dit, l'enfilade, on l'a dit. Voilà. Parce que ça, ça tue la partie normalement. Là, Armi il peut abandonner. Médidon. Et là, ah. tu peux pré manger, le manger de la tour. là. Tu peux pré de manger la tour. Avec le fou bah, Ah, ben bah oui, il y avait le fou, oui. Bah, tu peux manger qu'avec le fou. Oui. Là, voulais... là, il va... Alors là, c là, il y a deux solutions possibles. Soit il abandonne, soit il joue la pendule. Dans les mmh. deux cas, tu vas gagner. Hein. 2 minutes 44. Alors là, c'est simple. Si jamais il joue la pendule, c'est-à-dire s'il joue là. Le, 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 toi, ton objectif unique maintenant, c'est d'aller faire une dame. D'accord Tu te compliques pas la vie, tu essaies d'aller faire une dame. Donc, si jamais il. C'est le il pion joue. D5 qui va monter. Donc, tu vois tu pousses, tu pousses, tu pousses. Tu as la tour derrière, donc de toute façon, il ne pourra pas te le manger avec le, avec le roi. Donc, toi, ton objectif, ah, c'est. Puis lui, il s'est bloqué en face, on est en frontal, et ouais. le seul qui peut l'en face, il est protégé avec le pion. Ouais. Donc. Hein. Tu pourrais aller mater avec les fous et le cavalier, ça suffirait. Mais là, toi, tu ne cherches pas à comprendre, tu n'as pas beaucoup de temps, tu vas aller faire une dame. Parce qu'une dame est beaucoup plus simple pour les mater. Et ça, c'est bon, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais je mm -hmm. préfère le répéter. Peu importe votre niveau de jeu, si vous avez. Moi, je veux vous dire, fin, je ne cherche pas à comprendre, peu importe l'adversaire que j'ai en face. Quand je peux aller faire une dame en finale non, 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 mais... et mater à la violente, voilà, je fais. Voilà, là, il n'avait pas le choix. Il, est, il, est, il a été perdu. Bon, ben, c'est quand même une bonne partie. Bon, elle a été plus compliquée que prévu quand même. Et ouais, parce qu'il nous a posé souci sur cette espèce de... On peut pas faire l'analyse de la partie, là Si, tu fais... Euh... Normalement, tu peux. Tu fais analyse, là-haut, là. Je vais pas, hein, je vais, je là pas relancer le, le, le truc, mais j'avoue que... Voilà, là, tu fais ça, et tu fais... Euh... Comment j'ai fait Passage en revue, je crois que c'est. En haut. Là où il y a l'étoile, en, en haut. En haut, en haut, en haut. Voilà. Là, t'attends, il va analyser un peu. Ouais, le mat de l'escalier, je suis d'accord, c'est une base. Mais ça, je pense, que ça fera partie d'un truc qu'on fera sans doute les mercredis soirs, où on se mettra l'un contre l'autre, en fait, et on essaiera peut-être de mettre des positions de données où je te montrerai les matins. Ça, c'est un truc qu'on peut faire aussi. Ouais, tu fais démarrer le bilan. Ok, c'est l'ouverture Scotch Game. Voilà, c'est l'ouverture écossaise, non, c'est ça euh, oui, oui, Scotch, c'est ouais. écossais. Vous avez, joué, euh, vous avez joué deux fois cette ouverture avec les Noirs, avec un taux de victoire à 100%. Voilà, Donc là, tu as, as joué le coup du bouquin, ça, tu vois, c'est pas de problème. Ça, c'était un excellent coup. Très bien. Ouais parce que, bah, parce que là, en, gros, bah, en fait, là, lui, il t donné une pièce, donc euh, c'est le mauvais coup. voilà. Donc là, tu vois, tu vois il te dit que Roi 8 est le mieux, tu vois donc tu as jamais joué le meilleur coup. Ouais, tu mais vois, tu peux pas... faire, regarde, regarde, fais afficher les coups. Ah merde, donc, attends. Non, non. Ouais, là, ah, là, il je... est parti loin. Il est parti loin parce que c'est ça qui nous a posé le problème, c'est quand il est rentré et qu'on a été obligé de chercher dame c'est ce, ce mouvement-là. Euh, tu peux revenir en arrière, tu peux remonter ah. avec la, 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 la molette. Faudrait revenir en fait au truc d'avant et faire afficher les coups sur quand t'as fait roi 8. Ok, ici, ouais. Donc roi 8, afficher les coups. Voilà, donc là il te dit, voilà, tu vois, c'est juste, voilà. Toi il te proposait dame C3. Ouais, mais dame C3, c'était pas bon ça. Non, c'était avant ça, non, non, pardon, j'ai mal, exp... mal fait. Attends. Parce que les coups... c était, c était... Je voulais voir s'il mettait les menaces en fait. Euh... Euh, alors, vous remontez d'un cran, alors, pardon. remonte en arrière. Ah non, en arrière, ok en arrière, ouais juste un coup euh, Dame F3 est bon voilà c'est sur Dame F3 peut-être hein. fait afficher les coups mais de son côté à lui non oh, ouais là ouais vas-y ouais, pour, vas pour. c'est juste pour voir un truc si je voulais voir s'il montre euh... non. Ah, non il montre que Roi 8 bon ok bon c'est pas grave. alors bah du coup c'est pas grave. mais tout, on avait analysé de toute façon on l'avait analysé que, que euh, tu... j'ai même envie de dire c'est c'est à quel moment qu'il nous a ben là, sa faute à lui, c'est de faire roi.f7. Tu vois, c'est double point d'interrogation. C'est grosse faute, en fait. Ben, regarde, regarde, fais le coup suivant, laisse-lui faire f 7 Et ah, regarde, la barre, regarde la barre à gauche. Là. Tu et vois, la, la barre elle noire. A chuté, là. Elle a chuté grave. Là, sur cerf, la barre hein. noire, elle est montée. Ça veut dire que l'avantage noir est monstrueux, en fait. Parce qu'il t'a donné une pièce, en fait. Mm. Donc, non, non, t'as as joué. Tu vois, il te Mais c'est quand même cette. cette quand il est venu là et qu'il a fait ça, nous, on était partis sur notre plan. On s'est dit, oula, qu'est-ce qu'il fait Et finalement, on a mangé. Et, ouais. et derrière, il est venu ici, et là, on s'est dit, ah ouais, mince, et c'est là où on a commencé à hésiter avec la dame F6, etc. Et c'est ça qui oui, nous a fais, un fais, peu fais, da, fais dame F6, tu dois pouvoir le jouer, la dame F6. Je crois que dans le on peut jouer des coups. Vas-y, dame F6, voilà. Là, hum. tu regardes, voilà. et là, tu vois, regarde, il te, il te, il te propose des suites. Hein. Et Il y a une suite, je pense, qui doit te dire que tu vois, voilà. là, tu vois, il te dit que le, 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 le meilleur coup des, des, des blancs, en fait, ça reprend l'avantage. Tu vois le moins 0,93 là-haut Ouais. Le plus 0,93 pardon parce que c'est petit pour moi. Tu, le, la case blanche avait marqué plus 0,72 c'est l'évaluation. C'est-à-dire que là sur sur là t'étais à plus de' là. Mais si tu, joues, si tu jouais le coup f 6 en fait ben lui en jouant match 5 échec il repasse à plus 0,72 euh, de d'évaluation. Donc comme c'est positif c'est un avantage blanc parce que l'idée c'est qu'il va te refaire échec il va rebouffer le fou et dans ouais. l'histoire vous avez échangé des fous sauf que lui il a gagné un pion. Df6 f 6 c'est un coup manqué. Voilà, c'est parce qu'en fait c'est une faute en fait dame F6. C'est mmh. pour ça qu'on a bien fait pas le jeu tout à l'heure. Voilà, tu vois, c'est intéressant le module d'analyse, ouais, il est quand même intéressant. C'est assez... euh, bien foutu hein. C'est quand même bien foutu. Mais ouais, pour Donc, moi voilà. c'est ça, c'est ce, ce mouvement-là là où on a été obligé de finalement faire en roi 8 et d'aller chercher derrière euh, un peu tout ça quoi. Remonter la Après, dame. naviguer pour voir si jamais on a oublié un coup. Voilà, ouais, il a l'air de dire que c'était pas mal. Remets ouais, toi sur passage en revue là-haut, sur l'onglet passage en revue là-haut, parce qu'on est plus sur l'onglet, on est sur l'onglet analyse, on on est... voilà. Vas-y maintenant tu peux continuer à faire défiler. Coup suivant. Pour voir juste si, euh, si il voyait un ah, bière, Là content. il a dit qu'on c'était bien le fait d'aller menacer la tour. Hein. Ouais bah là as, parce que t'as vu la... Ouais, c'est ah. parce que t'as attaqué le défenseur, voilà. C'est là euh, coup. Voilà, ça c'est pas bah, forcément, ça gagne, ça gagne un pion puis ça menace. On peut pas aller pièce. Plus loin. Ouais, parce que là il te dit en gros que c'est fini là. Donc là, t'as joué à un niveau, alors c'est toujours subjectif ce qu'il met, mais ça veut dire que t'as une évaluation à 1800, c'est-à-dire t'as fait quasiment une, une partie presque parfaite, en tout cas. Ouais, ouais. Parce que... Et après, il t'a beaucoup aidé parce qu'il a sacrifié un fou dans l'ouverture. Ce qui était pas bon. Euh, non ok. Et puis là c'est là où on a commencé à manger le matériel, etc. Et voilà. puis, puis là il y, y a plus de parties, voilà, là il là, fallait pas se tromper, voilà. Voilà. Bon ben bah, nickel, celle là. Yes. Perfecto. Yes yes yes. Ouais mais c'est déjà 9h20, donc je vais pas en relancer une maintenant, parce qu'après sinon on va, on va finir tard. Oui, mais euh, ouais ça passe vite, hein. c'est un créneau d'une heure et un Score à 96, c'est beau surtout pour un 900. Attention si de trop belles parties le compte va être vérifié avec risque de ban. Ah ouais mince. Damn. Non parce qu'on n'a pas utilisé d'ordinateur donc il n'y a pas de risque. Parce que si ouais. j'avais... Il si, y aurait un risque si vraiment j'avais l'ordinateur derrière canalise, mais moi j'ai rien qu'analyse. Donc de toute façon, et puis là en même temps, mais après il après, a raison, c'est sûr que si t'es à 100% tout le temps, c'est pas normal. Mais là, si on analyse toutes les parties qu'on a qu'on a jouées, c'est sûr qu'on n'est pas à 96% à chaque fois. Et puis là on est à 96%, pourquoi Parce qu'en fait il a sacrifié une pièce. C'est lui qui a donné une pièce en face, c'est pas toi qui as joué un coup extraordinaire au départ. Non non. Mais après t'as raison. Après, et puis moi je suis pas grand maître donc de toute façon. Pff, Il y a. Pire euh... Moment, euh... Bon, si on analyse quand même un peu, on a encore 5 minutes du coup, mais c'est le bon l'ouverture ça commence à ça commence à aller. On commence à apprendre les automatismes, mais c'est les répercussions moi je trouve là où j'ai du mal. C'est vraiment se dire là je joue ça pour amener, à... pour amener là quoi. C'est vraiment l'amener le... quoi. L'amener vers et le finish après qui dépend vraiment de... du matériel en place quoi. Le finish est très dur. de toute façon, le finish, ça reste qui est. Mais de toute façon, le finish, je vais pas, te... je vais pas te cacher, c'est le plus dur même pour les forgerons, même pour moi. Alors, enfin, moi, je suis pas Mais un forgeron. Il un peu de propre. résolution de problème. Il propose. Ça, c'est pas bête. On peut s'en faire un là, par contre. Si oui, d'ailleurs, pas... tu peux en faire parce que je crois gratuitement, tu en as quelques uns. Ouais. Ça, tu peux le faire. Tu vas dans problème Tu fais. Euh... Ah, ok. ok. Fais ok juste et tu peux faire euh, problème du jour déjà. Le problème du jour. Non, c'est un... voilà. Okay. Je l'ai pas fait. Je sais même pas ce que c'est. Voilà, bon, là, très jour, il y a un truc. Ok, ouais. donc, donc euh, je joue les blancs, je suis dans une position. Ça veut dire quoi Très haut blanc, ça veut dire quoi Très haut blanc, au blanc ça veut dire que tu as. Quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est au blanc de jouer. Okay. Le trait est au, est au blanc de jouer. Et l'idée, c'est que quand c'est très haut blanc, ça veut dire que forcément, tu as un gain pour les blancs. Alors, le gain, c'est pas forcément un mat. Ça peut être un mat, ça peut être un gain de pièce bon, le on, gain a, de la on a déjà quand même. Alors, attends, réfléchis, oh. hein. je, vais, je vais quand même me calmer un peu. mais... Déjà, analyse le. Le premier truc que tu peux faire, c'est analyser le matériel. Ouais, ouais. On a deux tours de chaque côté. Il a sa dame, je n'ai pas ma dame. Donc il a quand même un Là. avantage. Et en effet, c'est déjà, déjà costaud. Euh, c'est déjà costaud. Ceci dit, dans cette position, on peut faire échec facilement. On est protégé avec le roi. Avec le, avec le fond. Ça semble être, être sans doute le premier coup, euh, sans trop de, de, de risques, ça, ça semble être le premier coup, parce que je vois pas d'autre échecs pour toi. Et si tu fais pas échec, euh, lui il peut manger c deux, il, il peut faire tour A1 pour essayer d'échanger les tours. Ouais, ouais, ouais. Moi j'aurais joué ça de prime à Ouais je pense que le premier coup, ça, ça semble être ça. Je ne connais pas le, le problème là, mais ça semble être ça le premier. Et euh, derrière, donc... Derrière, derrière. Ouais, euh... euh, est-ce que euh, est-ce qu'on peut doubler les tours On peut doubler les tours, mais qu'est-ce que ça m'apporte Doubler les tours, c'est dangereux pour moi là, non bon, En fait, l'idée c'est maintenant il faut que tu ailles coincé le roi. Donc, euh, comment tu coins le roi façon ah, mon fou, il est si pas, pas sur la bonne, fais... il est pas sur les bonnes couleurs. Euh... L'idée c'est que si tu fais des échecs, de toute façon, euh, si tu fais, en fait, ce qu'il faut que tu penses c'est que il a pas de menace en fait pour l'instant si tu fais que des échecs. Si tu fais des oui, échecs. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, je tourne là-dessus, après il vient ici, on peut encore reculer fou derrière. Ramener là. Ouais, donc, je pense euh... que tu as, la... as vu à peu près le cheminant, donc ben là tu peux jouer le, le coup suivant. Voilà. Euh... Donc là j'ai... Je, je... je viens de dire ici fou, ici, pour le remettre échec. Alors là, faut... Ouais, alors là je pense qu'il faut faire attention, parce qu'il peut pousser le pion, potentiellement. Il peut pousser le pion. Ouais. Je sais pas si c'est le coup, ouais, j'ai je, je pas du tout râlé le pied le truc du jour, mais peut-être c'est ça. Hein. Je vois pas. Ah si, après sinon c'est tour ici. Je, je sais pas, comme je te dis, j'ai pas analysé donc. Euh... Tour ici, c'est pas mal aussi. Hein. Ah oui, mais non, tour ici, je perds ma... Ah non, il est quand même obligé de réagir à l'échec. Bah en fait, ce qu'il faut que tu calcules, c'est que si tu joues fou F... si tu joues fou F4, il va pousser le pion pour protéger. Et du coup, tu te retrouves dans une position où ton fou est attaqué, ah, et puis ouais. en échec, et lui il menace de mater. Donc, c'est fou F4, ça me paraît pas bon. Donc, bah, et ça laisse plus que ça, hein. je n'ai pas le choix. Bah ouais, mais ça me paraît pas mal ça, je ne sais pas. Enfin, euh, regarde les ouais, casques. Si, qui... Mais ça me paraît, ça me paraît bien, hein. c'est juste que je m'étais dit, tiens, il y a la tour en vis-à-vis -vis de ma tour, mais comme on est ici sur l'échec, il est quand même obligé de réagir à l'échec d'abord. C'est ça. Donc, euh, de venir, venir, venir j'imagine, ici, quoi. Pas trop d'autre choix. Hein. Ouais, et après, il faudra que tu rates ce que tu peux jouer. Voilà, allez, il met la tour. Enfin, là, s'il prend avec cette tour, je peux prendre avec ma tour sans problème. qu'elles sont doublées là. Ouais, mais alors, il y a un bon coup et un mauvais coup, en fait. Pour t'aider un peu. Il <laughs> y a Lien une bon. des prises qui est bonne et l'autre prise qui est pas bonne. En enfin, fait, ce qu'il faut que tu rates, c'est toujours un coup d'après. faut que tu rates le coup d'après. C'est-à-dire que bon, quand si tu vas manger je la tour, mange le roi. Il va devoir bouger le roi si tu manges la tour. Il va le bouger, euh, bah, il est obligé de le bouger là. Enfin, ouais. avant quoi là. Oui, oui, mais donc du coup, tu vas faire quoi après Parce que c'est oui, un problème. Mais... C'est un On problème. Mais du coup, derrière, je peux pas faire ça parce que je suis juste à côté de lui. Et je peux pas faire ça parce qu'il y aura les pions qui vont protéger ça. T'as mal. En fait, re -re tu calcules pas comme il faut là. Tu, tu connais, tu connais la position finale en fait. Tu l'as déjà mis la position finale avec ton fou. Oui, je, je sens bien qu'il faut venir le coincer par là. Je eh sens... ben, je -je donc, vois bien. Le seul problème, c'est que ben, il faut juste que ton fou soit pas mangeable. C'est tout. T as, t as, t as, t as, t as tout devant les yeux en fait. T'as ouais. tout trouvé en fait. Juste qu'il faut que tu trouves le bon ordre. Faut juste que mon fou soit pas mangeable. On a toujours euh, ici. On donc, s'il si tu... n'est pas, si pas mangeable, c'est qu'il est protégé, du coup. D'accord. Oui, donc finalement, l'échec, c'est mieux comme ça. Parce qu'on laisse ben, la tour tu... ici qui protège le, le fou. Ben, concrètement, en fait, ce qu'il faut que tu vois aussi, c'est que. C est, c est, voilà, déjà, c'est ça. Et surtout, qu -ce que, à, à quoi ça te sert de doubler les tours dans cette position alors que tes deux tours vont taper sur quoi Vont taper sur un pion qui est protégé par un autre pion. Et t'es sur, sur une colonne où tu peux aller sur aucune case quasiment. Mm -hmm. Alors ouais. que là, effectivement, tu, tu vois l'idée. En fait, tu avais vu le schéma, mais tu l'as vu à l'envers. Ce, mais... ce qui est rigolo, c'est que c'est que je, je pensais que tu l'envisagerais dans le bon ordre, dans le, du premier coup. En fait, il en fait non, c'est rigolo parce que tu l'as pas envisagé dans le bon ordre. Mais c'est bien, ça permet d'analyser. alors l'idée, l'idée quand on fait un truc comme ça dans les problèmes, en fait, c'est que moi, l'exercice que je fais maintenant, quand je fais ça, c'est que j'attends d'avoir l'idée complète, en fait, dans ma tête, en fait, avant de jouer le premier coup. Ce que tu as fait, c'est bien. Non, mais ce que as fait, bien. Il n'y a pas de problème. Tu as le droit de le faire. Hein. Le, le site te permet de faire ça. Mais l'idée, c'est que si tu veux progresser, c'est qu'avant de jouer le tout premier coup, en fait, il faut que tu calcules tous les coups d'air. Et que tu joues le premier coup en ayant tout calculé. Et donc là, ici, c'est bon. Ok. Voilà. Donc l'idée c'est que, à, à terme, si tu veux progresser sur les exercices en fait, c'est de, de jouer en fait, de, 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 là tu peux en faire, si tu veux en faire un autre, là juste, enfin euh, comme tu veux, après, je veux pas te forcer à continuer. Oui, mais non, mais... Juste que je ne veux pas lancer une partie d'une demi-heure parce que... Tu peux mettre le 23, 20... je ne sais pas comment ça marche, Essaye de mettre le 23 là, quoi. Ouais, on je peut, peut. sur le 23 genre Je peux, je bah, peux. Aussi, mais... ah, bah, de, de... Voilà, c'est très Donc, au blanc on toujours. Pareil, deux cavaliers, une tour, un fou, et lui il a toujours sa dame. Normalement on a la sauce avec ces trucs -là. Ouais, celui-là est, fa... celui est facile. Ah ouais, bah oui, bien sûr. Ouais, est il est, est facile. hyper facile. Il est, euh... il est très facile. Mais... Alors... Je dirais... Par contre, ça serait bien que tu trouves l'idée en entier là avant de jouer le Si ouais, coup. je vais analyser. Ici, cavalier menace, on a dit, roi et... et tour. On fait échec, on menace la tour au passage. Ouais. Ça c'est une première chose. Mais ceci dit, s'il si bouge derrière juste le roi ici. Je ne peux pas me permettre de manger parce que, parce que j'y perds en fait. Et il est obligé de bouger en plus. Si je viens avec le cavalier, il est obligé de bouger ici. Ouais. Euh... Déjà, déjà, analyse le matériel. Toujours. Hein Quand tu fais un problème, il faut toujours analyser le matériel en premier avant de faire un choix. Ici, ça menace pas grand chose. Enfin, ça menace sa dame. Hein. c'est c'est pas rien, mais euh, derrière, lui, il a juste à bouger il prend le cavalier. Il, -il... Pas... il est protégé par ton pion. Ah, il est protégé par le pion, oui, pardon. On peut pas réannuler juste la dernière flèche. C'est mar marrant parce que tu, tu vois tout, en fait, mais tu vois pas tout dans le bon ordre, en fait. <laughs> c'est marrant. Mais d'abord, premier truc que tu n'as pas fait, il faut que tu, absolument que tu le fasses quand tu commences un problème analyse de matériel. C'est très important. Ah, mais ça veut dire quoi chaque pièce Mais non mais non mais analyse analyse juste euh, qu'est-ce que tu as de plus que lui Qu'est-ce que tu as de moins que lui euh, Tu vois C'est ce qu'il faut que tu un cavalier vous. de plus et un fou de plus. Mais lui il a la dame. Voilà, voilà donc tu as cavalier fou contre dame. Oui. Voilà, donc je te, je te, ce qui est hallucinant c'est que tu as déjà tout trouvé en fait, tu as trouvé tous les coups en fait. Mais il faut que tu comprennes euh, qu'est-ce que pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire en Sachant qu'il faut que tu découvres forcé, donc ça veut dire concrètement aujourd'hui tu as perdu ta dame pour l'instant, donc oui. ça veut dire que tu as, as deux pièces contre la dame, donc, oui. Ça veut dire donc avec cette avec ce fait, je veux pas t'en dire trop parce que sinon je vais te mettre trop sur la voie et je veux pas, mais euh, mais, mais voilà. Et en plus, tu as voilà et, plus, de plus. Euh, voilà, et en plus, tu as des pions, de... enfin tu pas de pions de plus en fait, deux, ah, as... Quatre, euh, non, c'est lui qui a, oui, ah, c'est là, c'est le noir qui ont qui ont Il y a, un pion de plus. plus. 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3, 4, 5. Je vais quand même recalculer que j'ai le... la bonne idée. quand même. Attends. Attends, je recalcule un truc hein, vite fait. Vas-y, vas-y. Moi, je tac, réfléchis pendant ce temps-là. Tac, tac, tac. ouais, je, je me doute. Mais non, 6 pions. 2, 4, 6. Mais bah oui, 2, 4, 6. Pourquoi j'ai compté 5, mais je sais pas compter. Hein. C'est ouf. 2, 4, 6, bien sûr. Euh. Ah, mais ben oui, c'est l'inverse en fait. Non, c'était bon. Non, je pense que ce que j'ai calculé, c'est bon. Non, pour moi, je pense que j'ai bien calculé et je pense que tu as, encore une fois, tu tous les éléments. Il faut juste que tu, que tu comprennes pourquoi les joues en fait. Ah, oui, d'accord. Alors, attends, Ok. Donc, si on vient avec le. Je reprends mon fou ici. Je menace Saddam c'est ok et si lui vient de toute façon il y a mon cavalier qui protège mais le fou ici me contrôle cette diagonale donc derrière ça. sur le cavalier qui vient ici il a plus de cases possibles bah, il est ce qu'on appelle Matt. <laughs> il parle de par le pays, il est ce qu'on appelle <laughs> ce qui veut dire que donc ta déduction c'est quoi c'est que quand tu vas jouer fou et 5 il est obligé de faire quoi il est obligé de manger le fou voilà donc il est obligé de manger le fou, ce qui va me ramener mon cavalier ici. Mais pourquoi, pourquoi tu veux ramener ce cavalier ici, en fait Celui-là, peu t'importe, mais il faut le manger. Euh, oui, mais c'est quand même beaucoup mieux de ramener celui-là, en l'occurrence, parce que... <laughs> Peut-être, mais je pas encore analysé ça. Mais... Euh, et pourquoi ici Ça rayonne comme ça. Bah, tu as déjà un cavalier qui est proche de faire échec et tout, donc pourquoi les... Oui, c'est vrai, de... on va pas l'enlever alors qu'on peut faire échec. Et après, ça va ramener ça là-bas. Mais ça surtout... finit pas ça par contre. Oui mais surtout que je te rappelle que ton cavalier qui est en, en F4 menacera aussi une fourchette toujours. Hein. Sur le toujours, sur le roi. Et sur le... Par contre oui toujours. Mais pour l'instant la fourchette roi-tour en fait elle est intéressante parce qu'il a toujours une dame. Oui, ça. Donc le premier coup ça, ça a l'air d'être quand même ce, cavalier, ce fou D5. Non oh, c'est pas ça. Non c'est pas ça parce qu'en fait tu n'as pas, calcul... pas pensé à quelque chose. Oui mais c'était pas ça. Mais en fait tu pas pensé que là-dessus il peut faire dame prend cavalier. Il peut faire, et eh oui, c'est vrai que j'ai pas pensé. Si je viens ici, eh oui. il peut juste faire dame prend cavalier ici, c'est ça C'est vrai que j'ai dit que t'as trouvé l'idée, mais tu l'as pas trouvé dans le bon Non, pas celui-là, l'autre cavalier. Le cavalier qui fait mat. Et eh oui, celui-là, tout simplement. Le cavalier en F4. Néan. Donc ça veut dire que t'as l'idée, mais tu l'as pas dans le bon ordre. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu manges la dame en fait, avec une de tes pièces mineures, en fait, euh, t'auras toujours, toujours une pièce de plus. Puisque t'as deux pièces contre la dame. Donc ah ouais. l'ordi considérera que tu as gagné la partie, c'est pas forcément le mat qu'il fallait chercher là. C'est pour ça que je te dis de rader le matériel parce que le matériel est important dans les problèmes. Le problème c'est pas toujours d'aller mater okay. le mat, c'est d'avoir okay. une position gagnante. Juste d'avoir la position gagnante. Hein. Bah, c'est souvent ça en fait, c'est pas le mat en fait. Si tu as le mat c'est encore mieux mais c'est pas toujours le cas. Et là dans cette position concrètement, tu as OK, il a il a deux pions de plus mais toi as, tu auras une pièce contre deux pions et tu auras quand même un avantage. faut en... commencer avec le cavalier quand même pour le mettre échec, ouais. l'obliger à bouger et derrière, tu reviens ici confirme l'échec bah tu le forces en fait et ça c'est le force ce tu... ouais, ouais. La série de coups elle est forcée parce que si tu fais échec il est obligé de bouger le roi ouais. et quand tu fais le deuxième échec il est obligé de manger le fou sinon il est mat en fait OK donc là il va être obligé de manger le fou là tu, tu... voilà et là il estime que tu as gagné en fait tu as voilà. d'accord OK OK ah oui non moi je pensais qu'il fallait chercher le matin. Là. Non, parce que regarde, regarde la position. La position, si tu veux, c'est que tu as une pièce de plus, tu as ta tour qui est rentrée dans le camp adverse qui, qui menace tous les pions quasiment. Donc, tu es forcément mieux, en fait. Non, okay. mais le, le, la résolution de problème, c'est encore un autre truc, en fait. C'est pas forcément simple à aborder. Ouais, mais mais c'est bien. bien, parce que pour le coup, peut-être pour le côté répercussion, ça peut peut-être m'aider. Hein. Ah ben, sache que ça, c'est. Euh, oui, exactement. C'est ce que, Mie, ce que Mie dit, c'est tout à fait vrai. C'est que le, le, dans l'analyse, la, il faut effectivement C'est bah, tout ce qu'il a marqué. Enfin, voilà, si tu lis sa phrase, il a raison. En fait. Hein, ouais, ouais, ça. Ouais, le nombre de pièces, le nombre de pions et aussi les, les, les pièces non protégées. C'est très important. En fait, ta première cible, ça peut être d'aller péter le roi adverse, mais quand tu peux pas aller tuer le roi adverse, hein, juste si tu arrives à, à, à reprendre le, le dessus au niveau matériel, ça suffit pour gagner la partie. en fait. Et là, on voit bien que ta tour va pouvoir aller manger tous les pions là-bas. Le pion B7, il est en prise. Après, tu vas manger l'autre pion. En fait, tu as trop d'attaques trop en fait. T'as trop de choses qui sont attaquées. Il y Il y a. Son ne joue pas. Enfin voilà. J'en ferai à Lucas, ouais. Ce qu'il faut que, Juste ce que tu peux faire, c'est recliquer sur problème. Juste, après, on arrête à message. Enfin, si tu vas arrêter, on arrête. C'est juste pour te montrer un truc. Juste pour t'expliquer à, à quoi ça correspond les menus. Sprint de problème, en fait. C'est qu'en gros, tu vas avoir un temps qui va se lancer. Alors, je crois que c'est 3 minutes. Je ne sais okay. plus combien c'est le mieux. Et en gros, ça va lancer des, des problèmes. Tu vas les résoudre ou pas. C'est-à-dire, tu vas répondre. Tu vas te tromper ou pas. Au bout de 3 défaites, je crois, ça arrête. Ouais, c'est ça, 3 fois et si, c'est fini. Voilà, et si tu arrives au bout du temps, ça arrête aussi. Et tu peux essayer de, de résoudre le plus de, le plus de, de problèmes en, en l'espace de 3 minutes, je crois que c'est. Bataille de problèmes, c'est que tu tombes contre un autre joueur, c'est assez rigolo. Tu joues contre un autre joueur euh, aléatoirement. Et c'est à celui qui va résoudre le plus de problèmes en moins de 3 minutes, ou au bout des 3, des 3, des, des 3 défaites. Et ensuite, tu as le mode personnalisé, je pense que tu choisis une position et tu te fais ton problème. Ouais. Ah non, tu choisis problème par thème, pardon, je me suis trompé. Et après, sinon tu as le tout en haut, là c'est le problème. Le, là où il est marqué problème, c'est qu'en gros tu peux avoir un classement elo, enfin euh, on peut dire ça comme ça, un classement elo pour la résolution de problèmes. Mais oui, ouais ok. Bah, il dit il a l'air de dire que c'est quand même le mieux problème de base pour, hein, pour s'entraîner. Ah non, mais il a, il a raison. de bah, toute façon, le, moi, moi ce que je conseille souvent aux, aux joueurs débutants, aux jeunes et tout, c'est que quand ils connaissent un peu les... Il y a deux trucs à travailler pour moi au départ, c'est les ouvertures. Mmh. Choisir les ouvertures et, et travailler la tactique. Parce que la tactique peut te faire gagner des parties et ça peut te permettre d'apprendre justement comment finir une partie. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui est de plus compliqué pour un débutant. Ok, ok. Et eh bien écoute, c'est très bien. On a... Moi, je trouve qu'on a progressé. Et on a 998. On est proche des 1000 hein. en, en Hello. C'est très cool. Ouais, et puis je te dis, prochainement, on, on pourra se faire des parties aussi euh, non, euh, non, non classées, toi ouais. contre moi, on pourra faire des choses comme ça. Puis après, tu pourras aussi, à terme, on pourra aussi faire des parties non classées contre des, des viewers, hein, s'il y en a... C'est vrai, ça, ça pourrait être intéressant. Si ça, ça, ça serait encore plus interactif. si... Euh... Eddy ou Adama ou s'il y en a qui veulent jouer bon Adama qui peut être un, un peu plus haut niveau je sais pas trop Eddy quel est ton niveau à toi Ou là, je peux très bien aussi tu sais ce qu'on qu peut faire aussi c'est faire une partie comme ça non classée avec euh, 30 minutes ou moins ou moins je dis rien on peut mettre que 10 minutes par exemple où tu joues la partie euh, en faisant tes analyses à toi et, et ensuite on analyse la partie mm -hmm. ça peut être il y a plein de choses qu'on peut faire et on peut même faire une soirée faire des problèmes aussi ça peut être marrant c'est mm -hmm. ça bon toi les, les possibilités de manquent ça c'est vraiment cool et au moins je suis content je vois que ça progresse là c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, et bien, écoutez les amis, je vais arrêter là pour ce soir parce qu'on a quand même pas mal streamé aujourd'hui. C'est en fait beaucoup. Et puis on sera encore là demain matin pour ceux qui veulent, hein, ceux, qui, ceux qui aiment bien me voir. Et voir Lubli demain matin, Diablo 4 et demain après-midi, euh... après-midi pour du, pour du board game arena classique. 1257 en, en rapide, mais je ne joue plus trop. Ok, ok. comme 1200, oui, mais comme propose Benny, hein, si jamais à l'occasion, ça peut être pas mal aussi, une partie comme ça. Ça peut être sympa. Moi j'aime beaucoup, de hein, toute façon, jouer avec la communauté, c'est le but. Tu hein. peux m'ajouter un ami si tu veux, euh, qui est euh, social. Moi bon, j'avoue que, que je joue pas trop en ce moment en plus, mais par oui, contre dès des que tu arriver, euh, je vais rejouer aux effets sérieusement, Et donc dit, si dit, jamais soir euh, tu vois connecté Eddy, euh, tu pourras... C'est Eddy combien Peut-être que c'est pas Eddy, hein. Tu me dire. Si tu peux, au pire, marque ton pseudo sur, euh, sur le chat euh, Eddy ou en, ou en Wisp, enfin, je sais pas comment tu peux faire. Il y Ah a plein de Chess en fait. Hein. En vrai. Alors, il n'y en a qu'un seul français, 73. Chess. Ah c'est... YT. Ouais. Ok. Euh, défi, ajouter un ami. Bam. C'est fait. Voilà, voilà. Allez, bon, moi je vais couper. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Merci à Benny, comme d'habitude, pour le coaching de qualité. Ça, c'est cool. Et, et semaine prochaine, potentiellement, peut-être mercredi. L'oubli reprend le travail, donc peut-être mercredi. Euh, non, euh, non, on ne ah. pourra pas mercredi, parce que moi, je ne serai pas là mercredi. Je, je, vais, je vais en balade, donc. Euh... Donc, pas mercredi, ben, ben, peut-être ouais. jeudi alors. On verra. Bon, non, jeudi. On, non, on se recalera, il n'y a pas de problème. Ou alors, on fera sauter s'il faut, mais si on, aussi, on oh, jeudi, non, jeudi. 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 Jeudi, je serai dispo. Ben jeudi. Alors on, on maintiendra jeudi sûrement. Voilà voilà. Ouais. Hop, allez. Je mets sur l'écran de fin de stream. Merci à tous. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et euh, à demain pour ceux qui veulent. Sinon à la semaine prochaine pour ceux qui veulent que des échecs. Ciao ciao.